Bonjour, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américains de la République française et du Royaume des Pays-Bas. La parole est à Madame Laurence Beaune, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président Bourlange, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, la France et les Pays-Bas, deux États européens historiquement présents dans les Caraïbes, ont tissé, comme vous savez, des liens privilégiés. C'est le terreau d'une forte coopération dans cette zone. En particulier, nos deux pays ont noué une coopération soutenue dans le cadre d'entraînement militaire, de gestion de catastrophes naturelles et plus récemment de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Le renforcement du niveau de coopération bilatérale de défense et le développement des coopérations opérationnelles dans la zone a induit l'évolution nécessaire du cadre juridique bilatéral afin de l'adapter à nos opérations conjointes. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de loi qui vous est soumis, visant à autoriser l'approbation de l'accord signé le 25 juin 2021 à La Haye entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américains de la République française et du Royaume des Pays-Bas. Faisant suite à une initiative néerlandaise qui a été formulée en octobre 2011, les négociations de cet accord ont débuté dès 2012. Mais le passage de l'ouragan Irma en 2017, a révélé l'urgence de disposer d'un cadre juridique pérenne afin de permettre les déploiements opérationnels sur le territoire de chacune des parties. Jusqu'alors, en effet, ces opérations dépendaient d'échanges de notes verbales de durée annuelle, le SOFA OTAN n'étant pas applicable dans les territoires autonomes des Antilles néerlandaises. Vous conviendrez avec moi que ça n'était pas très pratique ni très opérationnel, surtout en cas d'urgence. L'objectif de l'accord signé le 25 juin 2021 à La Haye est donc de régir la coopération en matière de défense et de sécurité entre les parties, ainsi que le statut des forces armées et des membres du personnel d'une des parties, la partie d'envoi, présent sur le territoire de l'autre partie, la partie d'accueil. Cet accord prévoit le règlement de certaines questions essentielles au déploiement opérationnel, par exemple les modalités du soutien logistique, c'est l'article 5 de l'accord, de l'entrée et du séjour sur les territoires d'accueil, c'est l'article 8, de l'importation de matériel nécessaire à ces opérations, l'article 9, ou encore du port de l'uniforme, article 10, et de l'arme de service, article 10 également. Cet accord vise plus particulièrement à garantir un statut juridique protecteur aux personnels français et néerlandais qui sont engagés dans des activités de coopération militaire ou d'opérations d'assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou bien sûr toute autre situation d'urgence qui affecterait le territoire des Antilles françaises et néerlandaises et en Guyane, permettant ainsi aux forces de nos deux États de bénéficier d'un cadre juridique adapté lors de missions conjointes. La coopération entre les parties peut prendre diverses formes, par exemple l'échange d'instructeurs et d'élèves des institutions militaires, des escales de navires de guerre, des actions conjointes d'entraînement ou des exercices militaires. Et bien sûr, outre les formes qui sont listées dans l'accord, les parties pourront convenir d'un commun accord d'autres activités selon leurs intérêts communs. Voici, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, les principales observations qu'appelle l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américains de la République française et du Royaume des Pays-Bas, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Laurence Robert-Dehaut, rapporteure de la Commission des Affaires étrangères. Merci. Madame la ministre, Madame la Présidente, pardon. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Notre Assemblée est saisie cet après-midi d'un projet de loi portant sur un accord franco-néerlandais signé le 25 juin 2021 à Paris. Cet accord porte sur la coopération en matière de défense et sur le statut des forces des deux pays dans leurs territoires caribéens et sud-américains. Pour la France, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guyane. Pour les Pays-Bas, il s'agit d'Aruba, de Curaçao, de Saint-Martin et les pays Caraïbes, c'est-à-dire les îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba. Avec ce texte, nos deux pays souhaitent renforcer leur coopération dans une zone caractérisée par des défis communs, dont les catastrophes naturelles. Cet accord s'inscrit également dans un contexte plus général de renforcement de notre coopération bilatérale dans divers domaines engagés depuis plusieurs années. En matière de défense, Paris et La Haye ont signé une déclaration d'intention le 6 mai 2019 et deux accords intergouvernementaux devraient aboutir. Le premier, en cours de négociation, concerne la coopération dans les territoires métropolitains. Le second, qui concerne les territoires ultramarins, est celui dont nous discutons cet après-midi. J'appelle votre attention sur le fait que cet accord est avant tout favorable à notre partenaire. En effet, alors que les forces françaises comprennent 3 600 personnels en Guyane et aux Antilles, dont 3 180 militaires, les militaires néerlandais sont 3,5 fois moins nombreux, environ 900 dans les Caraïbes. La coopération de défense entre nos deux pays consistait jusqu'à présent surtout en des exercices et des stages dans le domaine militaire, ainsi qu'en matière d'aide humanitaire et de gestion de catastrophes. En outre, les marines françaises et néerlandaises réalisaient une dizaine d'escales par an dans les îles caribéennes de l'autre État. Mais cette coopération a aussi été opérationnelle, notamment dans le cadre de l'aide humanitaire et du soutien logistique apporté à la suite de l'ouragan Irma. Ce terrible événement a frappé les Antilles le 6 septembre 2017. Son bilan a été dramatique. 15 personnes ont perdu la vie et de très nombreux bâtiments ont été endommagés dans les îles de Saint-Barthélemy et surtout de Saint-Martin. Une île partagée entre la France et le Royaume des Pays-Bas. Toutefois, jusqu'ici, toute coopération franco-néerlandaise de défense dans la zone Caraïbe et Amérique du Sud nécessitait la signature de notes diplomatiques ou d'accords techniques spécifiques. En effet, la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951, ne s'appliquant pas en dehors des territoires métropolitains ou situés dans l'Atlantique Nord, et aucun accord bilatéral spécifique n'ayant été conclu, les actions de coopération menées dans la zone ne bénéficiaient jusqu'ici d'aucun cadre solide de niveau intergouvernemental. Ainsi, le présent accord, signé le 25 juin 2021, apparaissait nécessaire. Ces 23 articles, dont le contenu est classique pour un accord de ce type, nous permettent de disposer d'un cadre juridique plus précis, plus complet et surtout durable. En effet, ces articles détaillent les formes de coopération possibles et prévoient les procédures associées. Parmi les coopérations possibles, je citerai les stages, les actions conjointes d'entraînement, d'instruction et d'exercice militaire, le partage de connaissances opérationnelles, l'assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence affectant le territoire des parties. J'ai néanmoins un regret.
celui de ne pas avoir obtenu d'informations chiffrées concernant les coûts liés à la coopération de défense. Un tel partenariat bilatéral devrait faire l'objet d'une évaluation annuelle des coûts engagés afin de pouvoir ensuite les réajuster si nécessaire. Plus généralement, si cet accord apparaît justifié, sa mise en œuvre devra être évaluée et cela devrait être le cas pour tous les accords du même type. Ce point étant soulevé, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de l'approbation de cet accord. Je précise qu'il a été déjà approuvé par le Royaume des Pays-Bas, sans exclure de territoire de la zone, ce qui était une possibilité prévue par l'article 22. Enfin, je terminerai mon intervention en vous indiquant qu'un autre accord bilatéral franco-néerlandais est actuellement en cours de négociation. Il concerne cette fois un sujet très différent, le tracé de la frontière de Saint-Martin. Mais là aussi, l'ouragan Irma a joué un rôle d'accélérateur des négociations. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à la discussion générale avec M. Goomps du groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Président Boulange, Madame la Rapporteure, chers collègues, permettez-moi de vous inviter à un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Le 28 novembre 1839, à Philipsburg, partie hollandaise de Saint-Martin, d'où je suis, une convention franco-hollandaise est signée. Cette convention fait référence au traité de partage de cette île qui a été signé le 23 mars 1648 au nom du roi de France et du prince d'Orange et État de Hollande, comme ce pays s'appelait à ce moment-là. Ce traité de partage organisait en même temps le concept de ressources communes aux deux parties et de libre circulation des personnes et des biens, une sorte de préfiguration de l'Union européenne d'aujourd'hui. Au cours de ces temps anciens tumultueux, le siège du gouverneur pour les colonies hollandaises était situé au Suriname, en Amérique du Sud, puis à Curaçao, situé au large des côtes du Venezuela. Le siège du gouverneur pour les colonies françaises était situé d'abord à Saint-Christophe, puis à la Martinique et en Guadeloupe. C'est dire que nos deux pays se fréquentent dans la Caraïbe plutôt en bonne intelligence depuis plus de 350 ans. Il n'est donc pas du tout surprenant que les situations géopolitiques évoluant, nos deux pays trouvent nécessaire de mieux cadrer leur coopération sur le plan militaire dans la mer Caraïbe. L'accord de coopération auquel nous nous intéressons aujourd'hui s'inscrit donc dans la continuité de cette longue tradition, mais en particulier depuis les pistes de travail communes dessinées par la France et les Pays-Bas à partir de 2012 et confirmées en 2021. Jusqu'à présent, les forces armées françaises et néerlandaises menaient des exercices communs dans les territoires caribéens et sud-américains sans cadre juridique pérenne, cette région du monde étant exclue de la convention de l'OTAN régissant les échanges de personnel entre alliés. En effet, seuls les territoires européens étaient concernés par la Convention de l'OTAN. Cet accord est d'autant plus nécessaire que les forces en présence sont relativement importantes, que les exercices reviennent de manière très régulière, mais aussi parce qu'il faut renforcer l'efficience des forces armées face aux catastrophes naturelles, naturellement, face aussi au trafic en tout genre, trafic de drogue, trafic d'armes et trafic humain. Il y a en effet des trafiquants qui s'enrichissent au détriment de ceux qui fuient misère ou persécution dans leur pays. Il faut être présent et il faut être organisé pour décourager tous les trafics et les trafiquants. Cet accord intervient aussi au moment où l'Union européenne perd un membre important, la Grande-Bretagne, dont le poids historique est incontestable dans la Caraïbe, à travers les nombreux pays du Commonwealth que compte cette région du monde. Je ne connais pas l'impact du Brexit sur ces îles, mais le renforcement d'un lien intra-européen
ne présente que des avantages. Je crois nécessaire ici d'indiquer l'importance qu'il y a à prendre en considération les populations locales à travers leurs représentants afin d'éviter toute ambiguïté quant aux raisons d'une présence de militaires de passage sur l'une de nos îles. Vous savez comme moi comment la présence de nombreux militaires en mouvement peut être anxiogène pour les populations. L'accord que nous examinons revêt également une importance notable du fait de l'interdépendance évidente des territoires et îles de la Caraïbe et de la nécessaire coopération dans des temps difficiles, comme votre rapport le démontre, notamment à propos de l'exemple de l'ouragan Irma de 2017. Notre groupe tient à saluer la discussion plus large qu'il ouvre dans l'objectif d'aboutir à la signature d'un accord cadre de défense en 2024. Le principe d'un tel accord cadre ayant été réaffirmé lors de la visite en France du Premier ministre néerlandais en mars 2022. Notre groupe est attaché à la construction européenne et à l'autonomie stratégique de l'Union européenne et nous ne pouvons donc que nous réjouir de voir nos États coopérer directement sur ces questions essentielles de défense. Nous soutiendrons et nous voterons évidemment pour ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La parole est à Madame Cochère du groupe Horizons et Apparentés. Pardon, ah, j'ai eu une erreur là. Excusez-moi, la parole est à Monsieur David. Je suis désolée, il y a eu un... Pas du tout. Non, non. Bonjour, monsieur. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Rapporteure, Madame la Ministre, chers collègues. Comme nous l'avons dit lors de l'examen du texte en Commission des Affaires étrangères, un accord qui renforce la coopération bilatérale franco-néerlandaise dans les Caraïbes et en Amérique du Sud est toujours une bonne chose. Cet accord dont le statut, sur le statut des forces et la coopération en matière de défense dans la Caraïbe et en Amérique du Sud fait suite à une demande du ministre de la Défense néerlandais en 2011, qui avait exprimé le souhait de renforcer la coopération entre les deux pays. Cela permet d'avoir un cadre juridique adapté aux opérations communes dans les Antilles néerlandaises pour lesquelles les dispositifs de coopération OTAN ne s'appliquent pas. La France et les Pays-Bas entretiennent déjà des liens étroits dans la Caraïbe avec des entraînements militaires, la gestion de catastrophes naturelles ou plus récemment la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et concernée également avec cet accord, la lutte contre la grande criminalité, y compris le trafic de stupéfiants. Cet accord s'appliquera pour les Pays-Bas à Aruba, Saint-Martin et aux Pays-Bas Caraïbes, les îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba. Pour ce qui est de la France, l'accord s'appliquera à ses territoires dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guyane. En matière de défense, la France et les Pays-Bas effectuent d'ores et déjà, et indépendamment de l'accord des opérations de surveillance dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre de la mission AGENOR, ainsi que des entraînements conjoints dans la Caraïbe dernièrement en 2018. En pratique, cet accord permettra des missions de coopération hors cadre OTAN dans la région. L'accord sur le statut des forces dans le cadre de l'OTAN ne prévoit en effet de coopération que sur le territoire métropolitain des États signataires. Il n'y avait donc pas de cadre juridique pérenne et de niveau intergouvernemental pour les opérations militaires communes dans la Caraïbe et en Amérique du Sud. Il offrira ainsi un cadre juridique adapté aux actions de coopération militaire menées par la France et les Pays-Bas dans cette zone. De surcroît, même si nous sommes éloignés du théâtre européen qui concentre les nombreuses préoccupations, un accord militaire entre deux pays membres de l'Union européenne est toujours une bonne nouvelle et me donne l'occasion de rappeler l'attachement du groupe des députés socialistes
et apparentée à l'intégration européenne, y compris dans le domaine militaire. La France et les Pays-Bas entretiennent déjà des liens étroits dans les Caraïbes et un renforcement de la coopération est indispensable dans une région du globe où les deux pays sont souvent amenés à travailler ensemble. L'île de Saint-Martin, dont le nord-est français et le sud néerlandais en est le parfait exemple. Cet accord bilatéral porte également sur l'organisation d'exercices d'aide humanitaire et de gestion de catastrophes. L'ouragan Irma, qui avait dévasté notamment l'île Saint-Martin en septembre 2017, a montré l'importance d'une coopération structurée et pérenne entre la France et les Pays-Bas dans ce domaine. Cet accord intergouvernemental permettra à l'avenir une meilleure gestion par les forces de défense et de sécurité de ce type de catastrophe humanitaire. Pour toutes ces raisons, les socialistes et apparentés voteront donc l'approbation de cet accord. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Cochère du groupe Horizon. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président Bourlange, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le 31 août 2021, lors de sa visite en France, le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas avait réaffirmé sa volonté de renforcer notre coordination sur les sujets européens. Les Pays-Bas sont un partenaire important, à la fois au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne. La diplomatie des Pays-Bas s'est ouverte à de nouveaux accords avec la France, notamment à la suite du Brexit. À l'heure où nous agissons ensemble, en Européens, pour la sécurité à l'est de l'Europe, où nous conduisons des missions militaires communes, nous devons renouveler notre engagement auprès d'un partenaire majeur. Nos coopérations militaires avec les Pays-Bas sont tout aussi nombreuses, et il convient ici de les rappeler. D'abord, nos deux pays sont membres de l'OTAN. 200 militaires français sont, à l'heure où je vous parle, stationnés aux Pays-Bas, dans les bases de l'Alliance Atlantique à Brunsum, Eindhoven, La Haye et Den Helder. Cette coopération couvre l'ensemble de nos corps armés, sur terre, par des travaux visant à renforcer l'interopérabilité, et dans les airs, par des participations régulières à l'exercice Frisian Flag à Leeuwarden. Et puis, il y a la coopération en mer, dans les Caraïbes, pour lutter contre le narcotrafic et intervenir en cas de catastrophe naturelle. D'abord, en matière de lutte contre le narcotrafic, l'enjeu est de taille. La mer des Antilles couvre un espace similaire à la Méditerranée, avec des capacités d'intervention maritime limitées pour les pays côtiers. L'enjeu est aussi technologique, les narcotrafiquants utilisant des navires toujours plus discrets, parfois submersibles. Un accord militaire avec les Pays-Bas doit donc s'inscrire dans les nombreuses opérations interalliées en cours dans la région pour faire face à ce fléau. Ensuite, en matière de lutte contre les catastrophes naturelles, un autre fléau pour notre territoire, pour nos territoires insulaires. En 2017, l'ouragan Irma a eu des conséquences désastreuses pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, impactant tout autant les territoires français et néerlandais. Les forces de défense et de sécurité des deux pays ont été déployées pour venir au secours des populations. Malheureusement, cette coopération n'était alors pas encore suffisamment encadrée, nécessitant des accords ad hoc et des notes verbales. Tels sont les enjeux pour les Caraïbes et l'Amérique du Sud, auxquels on peut ajouter l'instabilité politique de certains pays côtiers. Pour y faire face, nous devons activer l'ensemble des leviers de coopération avec nos alliés pour agir le plus efficacement possible. L'accord sur le statut des forces avec les Pays-Bas en est l'un d'entre eux. Avec cet accord, chers collègues, nous faciliterons les interventions communes avec nos partenaires néerlandais dans la région. Celui-ci facilite l'échange d'instructeurs et d'élèves, des institutions militaires, les escales de navires de guerre et aéroportuaires, les visites d'entités militaires et civiles, les actions conjointes, le partage de connaissances. L'accord prévoit aussi des missions d'assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Si demain, un autre événement de l'ampleur de l'ouragan Irma venait à se répéter, nous aurions les outils pour faciliter une réponse militaire coordonnée. Cet accord, enfin, entre en parfaite cohésion avec nos objectifs stratégiques.
Nous devons faire de la France une puissance d'équilibre, capable de s'intégrer et de mener des exercices communs au sein de nos alliances, autant pour l'OTAN que pour l'Union européenne. Le groupe Horizon et Apparenté votera en conséquence en faveur du projet de loi. Je vous remercie. La parole est à Madame Lernouz du groupe écologiste. Madame la ministre, Madame la présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, face à la multiplication des menaces hybrides, aux conflits armés qui sous-tendent nos relations internationales et à l'urgence du dérèglement climatique et de ses conséquences irrémédiables, notre réponse ne pourra jamais être individuelle. Seuls, nous serons réduits à voir se dérouler devant nous ces conséquences inéluctables, mais notre poids, nos actions resteront vaines. En effet, les écologistes que nous sommes, depuis toujours partisans d'une Europe renforcée et fédérale dont le socle reposerait sur l'humanisme. Mais il nous faut trouver une boussole à la hauteur de l'urgence et de notre puissance collective. Il nous faut renforcer sans cesse nos coopérations dans notre puissance collective. Il nous faut, dans nos domaines établis comme au sein de ces nouveaux domaines d'intérêt stratégique commun, et envisager la réponse aux défis comme une réponse multimodale, complexe, universaliste et parfois non alignée. Ici, nous discutons d'un texte qui paraît presque évident. D'abord, face à l'urgence, mais aussi par la forme de coopération qu'il propose. Il existe en effet déjà des liens étroits et anciens dans les Caraïbes entre la France et les Pays-Bas. Saint-Martin, Sint-Maarten, avec son histoire, en est l'exemple type. C'est tout le sens d'une politique de coopération incarnée, consciente de son histoire et de ses atouts. Ce texte nous montre que face aux défis majeurs que nous rencontrons, une politique de défense efficace peut aussi se présenter comme non alignée, indépendante et parfaitement capable de surmonter collectivement des défis communs. Cet accord offrira les bases d'une meilleure collaboration technique, logistique et humaine, ainsi qu'une plus grande efficacité dans le soutien apporté aux populations, notamment pour les événements climatiques à venir. Je ne peux que saluer cette dynamique en tant que présidente du groupe d'amitié entre la France et les Pays-Bas. Aux grands mots, les grands remèdes. Nous le voyons aujourd'hui, l'élément qui nous amène à étudier ce texte de coopération n'a rien à voir avec une quelconque armée et son prénom résonne sûrement encore chez vous et d'autres l'ont évoqué avant moi, c'est bien Irma. Irma, c'est le nom de cet ouragan qui a détruit une grande partie de l'île de Saint-Martin. C'est le désastre, notre impuissance face aux éléments, face à l'environnement qui pourtant ne cesse de nous rappeler l'urgence. Et notre manque d'organisation à l'époque pour répondre à l'urgence humanitaire a posteriori, qui a sans nul doute accéléré les négociations de ce texte. Face à l'urgence, il faut bien l'admettre que nos territoires d'outre-mer ne sont pas aussi bien lotis que nous. Si nous sommes tous touchés à terme par les conséquences environnementales, ils sont notre premier front, particulièrement affectés par les événements climatiques. Là-dessus, le travail reste immense pour protéger tous nos concitoyens. Je tiens à affirmer à nouveau ici, devant vous, nos Outre-mer sont un levier indispensable pour construire des politiques internationales et des partenariats régionaux sur de nouveaux domaines de coopération. Ils seront les pionniers d'une nouvelle forme de diplomatie capable de faire face aux enjeux contemporains et aux nombreux événements climatiques qui nous toucheront indubitablement dans les années à venir. Dans ce sens, la coopération bilatérale telle que décrite dans ce texte est essentielle. D'abord dans une vision de court terme, puisqu'elle permettra de fournir une assistance logistique et humanitaire, mais son intérêt sera aussi central à long terme par l'échange de bonnes pratiques ou par la mise en place de plans communs de prévention et de protection des populations et des infrastructures. Nos territoires d'outre-mer ne sauraient bénéficier autrement de cet appui. Je me réjouis particulièrement de cette définition large de la défense en faisant de l'aide humanitaire une clé de voûte du texte. Nous devons, dans ces territoires, plus qu'ailleurs, être en mesure de renforcer nos coopérations concrètes, techniques, matérielles et humaines. Ainsi, lors d'une catastrophe comme celle de l'ouragan Irma, nous serons bien plus efficaces pour pallier à l'urgence, voire pour l'anticiper ensemble. J'irai même un peu plus loin pour finir cette intervention. Les enjeux de défense offerts par cette relation bilatérale avec les Pays-Bas, dans cette région du monde, ne sont pas les seuls terrains que nous pourrons investir. Je suis persuadée qu'à la suite de ce texte, d'autres coopérations suivront pour répondre à d'autres enjeux,
tout aussi importants, comme la fraude fiscale ou le trafic de drogue. Gageons que cet accord, dont la visée humanitaire ne fait aucun doute, sera aussi le terrain propice à l'échange des savoirs et des bonnes pratiques entre nos militaires et nos deux pays. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste votera donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nadeau du groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Madame la Ministre, chers collègues, l'accord de coopération militaire entre la Hollande et la France dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, signé le 25 juin 2021 à Paris entre les ministres des armées de France et des Pays-Bas que nous étudions ce jour, doit, à notre avis, être ratifié et le groupe de la gauche démocrate et républicaine le votera à coup sûr. Effectivement, cet accord intègre l'ensemble des îles françaises, de la Caraïbe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, mon territoire, et la Guadeloupe, ainsi que les États autonomes dépendants du Royaume des Pays-Bas, à savoir outre Sint-Maarten, Saba, Bonaire, Saint-Eustache, Curaçao et Aruba. Nous sommes en effet pays frontaliers dans la Caraïbe, mais avons peu d'échanges, mis à part l'accord relatif aux échanges d'informations protégées et classifiées du 28 juillet 1992 ou l'accord intergouvernemental relatif au séjour des forces néerlandaises en France, qui n'est pas réciproque, signé le 16 septembre 1998 et modifié les 13 et 25 septembre 2000. Mais ce sont des accords, vous en conviendrez, purement techniques et limités. Seul l'accord d'Eindhoven du 6 mai 2019 intéresse la coopération dans la zone en abordant la problématique des territoires d'outre-mer de la Caraïbe. Il manquait un souffle et une ambition, une vraie analyse des enjeux communs. Pourtant, les relations de nos deux États dans la Caraïbe sont anciennes et remontent à un accord de 1648 qui prévoyait un droit de poursuite pour les corsaires, mais ce n'est que depuis une quinzaine d'années que les statuts institutionnels ont évolué, il faut le regretter. Nous en avons fait d'ailleurs la meilleure expérience, ça a été dit d'ailleurs lors du cyclone Irma, qui a ravagé Saint-Martin et montré l'inanité de la coopération franco-hollandaise dans la zone Caraïbe. Qu'est-ce qui a fait changer le paradigme? Le 15 juillet 2007, Saint-Martin, commune de Guadeloupe, est devenue une collectivité d'outre-mer à part entière, régie par l'article 74 de notre Constitution et reconnue comme région ultra-périphérique par Bruxelles. Le 10 octobre 2010, Sint-Maarten, dépendant de La Haye, est devenu l'un des quatre États autonomes du Royaume néerlandais, disposant de parlements distincts et est devenu un pays et territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Cette double évolution institutionnelle a rendu nécessaire l'amélioration et l'organisation de la coopération dans cette zone au vu des enjeux qui y existent. Car jusqu'ici, la coopération était au mieux balbutiante, au pire inexistante. Et cela s'est vu, je le répète, à l'occasion d'une catastrophe naturelle aux conséquences dramatiques après le passage de l'ouragan Irma en septembre 2017. En l'absence d'accord préalable comme celui que nous nous apprêtons à voter, cette catastrophe naturelle a empêché les Français d'accoster ou d'atterrir en zone néerlandaise, ce qui a évidemment retardé les secours de plusieurs jours et vous le comprendrez, occasionner de gros problèmes de sécurité. Nous avons donc besoin dans cette zone géographique d'améliorer cette coopération et d'homogénéiser les normes et le droit, tout comme il sera nécessaire, et j'en profite pour vous le demander officiellement ici, d'accélérer les négociations sur l'accord avec les Pays-Bas visant à définir précisément la frontière de l'île de Saint-Martin ainsi que la gestion du lagon de Simpson Bay. Le Brexit a également rebattu les cartes et nécessite d'amplifier cette coopération dans la Caraïbe. Sainte-Lucie, la Dominique, Trinidad ou Barbade regardent en effet désormais de plus en plus vers l'Union européenne et se démarquent de la couronne britannique. Cette nouvelle coopération doit évidemment se faire en ayant à l'esprit ce que disait le président de la République la semaine dernière à propos de la démultiplication des potentiels conflits liés au dérèglement climatique
et la nécessité pour nos armées de s'y préparer. Les territoires visés par cet accord sont en effet très exposés, mais la question ne s'arrête pas là. Avec près de 3600 militaires français dans la Caraïbe et en Guyane, et près de 900 militaires hollandais, cette coopération bilatérale s'impose pour mieux lutter contre la corruption et contre le narcotrafic qui passe par la Caraïbe et qui donne à ces États européens les moyens d'intervenir tout en clarifiant leurs zones d'intervention. L'opération Corombe, qui lutte contre les trafics illicites de stupéfiants dans le golfe de Guinée depuis 1990, devrait pouvoir être transposée à cette zone. Les chantiers sont donc nombreux, mais il semble nécessaire de mieux impliquer les structures représentatives locales aux décisions. La coopération régionale à partir des collectivités d'outre-mer, de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane doit être intensifiée et facilitée. Les élus locaux veulent en effet être mieux pris en considération sur ce sujet-là, comme dans bien d'autres domaines évidemment, et souhaitent être plus impliqués dans ces négociations diplomatiques. Par exemple, sur l'île de Saint-Martin, c'est le même peuple qui vit de part et d'autre de la frontière. Et la collectivité de Saint-Martin, depuis 2014, porte un projet de structure institutionnelle intitulé le Congrès uni de Saint-Martin, qui regrouperait le gouvernement de Sint-Maarten et la collectivité de Saint-Martin pour des échanges ponctuels, mais pour l'instant, ni Paris, ni La Haye ne s'est non donné suite à ce projet de coopération structurelle. Et nous le regrettons profondément. Et concernant la Guyane, il y a aussi urgence à intégrer les élus et les citoyens guyanais dans la réflexion sur le degré de militarisation de leur territoire. Cet accord doit être donc la première pièce d'une vraie coopération. Il faut vraiment conclure là, monsieur Nadeau. Dans laquelle les élus locaux devront être intégrés. Merci. La parole est à monsieur Servat du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, je remercie le rapporteur pour la qualité de son travail. En tant que député de la Guadeloupe, ce texte me semble aller dans le bon sens. Le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire votera donc la ratification de cet accord pour deux raisons. La première, c'est que la présence importante de nos deux pays dans cette région est indéniable. Près de 2 millions de citoyens français et néerlandais vivent dans les Antilles et en Guyane. Les relations entre Français d'une part et Néerlandais d'autre part sont nourries. Je pense par exemple aux rapports internes à Saint-Martin, d'une part, et d'autre part à des territoires français et néerlandais proches. Je pense aussi aux rapports entre Guadeloupéens et Saint-Martinois, séparés de simplement 250 km. Les catastrophes naturelles évoquées précédemment, l'assistance humanitaire, la lutte contre les trafics et la sûreté de nos espaces aériens et maritimes justifient par ailleurs une coopération entre nos personnels militaires. L'armée des Pays-Bas est en effet présente en permanence à Aruba et à Curaçao, tandis que la France déploie plus de 3000 soldats aux Antilles-Guyane. La proximité de nos territoires caribéens justifie la formalisation d'un tel accord, d'autant plus que nos deux pays possèdent dans la région quatre bases militaires. Je pense notamment au 33e régiment d'infanterie de marine en partie stationné chez moi en Guadeloupe et aussi au camp du Gommier. La force de souveraineté y est notamment composée de deux frégates de surveillance, de navires patrouilleurs et de deux bâtiments de soutien d'assistance outre-mer. De même en Guyane, le 3e régiment d'infanterie de la Légion étrangère mène les missions Harpie et Canopée contre l'orpaillage illégal. La seconde raison réside dans le fait que cette coopération, qui n'est pas nouvelle, a besoin d'être formalisée. Les premières coopérations permettaient en effet de faire face aux catastrophes météorologiques. Des opérations conjointes avaient été menées en 2017 après le passage de l'ouragan Irma. En 2019, le 33e RIMA était intervenu aux Bahamas dans le cadre d'une opération amphibie conjointe avec les forces néerlandaises antillaises lors du passage de l'ouragan Dorian. À cet égard, l'article 3 de l'accord prévoit explicitement que l'assistance humanitaire entre dans le cadre de la dite coopération. Cet accord complète, par ailleurs, un arsenal de traités de coopération entre la France et les Pays-Bas, ainsi que des actions militaires conjointes dans d'autres régions du monde.
En pratique, cet accord prévoit l'échange d'instructeurs et d'élèves militaires, la possibilité d'escale de navires de guerre, d'actions conjointes d'entraînement, l'échange d'informations classifiées, l'importation et l'exportation de matériel militaire et l'installation d'un système de communication spécifique. De point de vue des contraintes, l'accord prévoit très judicieusement les cas où une peine disciplinaire serait nécessaire, de même que les solutions à mettre en œuvre dans les cas d'infraction. Enfin, l'accord précise la répartition des coûts de cette coopération et prévoit également une prise en charge médicale d'urgence pour les soldats de l'une ou l'autre partie sur le territoire de l'autre. Cependant, on peut regretter que cet accord ne fasse pas mention d'une certaine précision du champ des zones économiques exclusives, les ZEE, de nos deux pays. En effet, un rapport du Sénat de 2014 pointait une délimitation incomplète des zones économiques exclusives entre les Antilles françaises et les Antilles néerlandaises. Malgré un champ assez large, les dispositions de cet accord assurent la sauvegarde de notre souveraineté. L'accord, en effet, ne concerne pas les opérations de guerre ou le maintien de l'ordre. D'autre part, il définit la compétence juridictionnelle en cas de litige ou de décès. Pour finir, je tiens à revenir sur le contexte dans lequel s'inscrit cet accord. En 2021, la France et les Pays-Bas avaient déjà signé un accord de défense sur le statut des forces. En mars 2022, lors d'une déclaration commune, la France et les Pays-Bas affichaient l'objectif de signer un accord cadre de défense d'ici 2024. Pour ce faire, il convenait d'améliorer la coopération policière, la gestion des frontières et la lutte contre la criminalité organisée. Il était également nécessaire de renforcer notre partenariat en matière militaire. Cela passe par la convergence de nos doctrines militaires, des programmes d'armement communs et des exercices conjoints. Vous voyez donc, mesdames, messieurs les députés, tout l'intérêt du texte qui nous occupe aujourd'hui et qui se situe à mi-chemin d'un accord de coopération plus global entre nos deux pays. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La parole est à Madame Saint-Paul du groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens avant tout à associer à mes travaux notre collègue Éléanore Carrois, dont c'est la circonscription, qui est spécialiste de la région. L'approbation de l'accord aujourd'hui en discussion entend encadrer la coopération en matière de défense entre la France et les Pays-Bas et vise à établir le statut juridique et les conditions de séjour des membres du personnel des deux États déployés dans les Caraïbes. Ce nouvel accord vient entériner une situation de fait existante, à savoir un partenariat militaire déjà engagé depuis plusieurs années entre la France et les Pays-Bas dans la zone Caraïbes et Amérique du Sud. Nos deux pays disposent de forces armées dans les Antilles ainsi qu'en Guyane pour la France. Les forces armées en Guyane constituent la première force stationnée outre-mer et le principal point d'appui français dans la zone Amérique latine-Caraïbes. À cet égard, il est sans doute utile de rappeler que la France partage, en Guyane, sa plus grande frontière avec un pays étranger, le Brésil, sur 730 km, ce qui en fait une terre latino-américaine. Cette présence militaire française et néerlandaise dans les Caraïbes permet de répondre à des défis communs caractéristiques des Caraïbes, mais dont les enjeux internationaux dépassent cette seule zone géographique. Le narcotrafic, les catastrophes naturelles, la traite d'êtres humains, et j'ajouterai le trafic d'espèces végétales et animales protégées. Défis majeurs qui ne sont pas propres aux Antilles françaises ou néerlandaises, mais qui sont communs à l'ensemble de la zone Caraïbe. Madame la ministre, vous avez mentionné l'ouragan Irma. Plus récemment, les ouragans Fiona, fin septembre 2022, puis Yann en novembre 2022, ont entraîné d'importants dégâts humains matériels en Guadeloupe, mais aussi en République dominicaine, en Haïti et à Cuba. Nous le savons, en cas de catastrophe humanitaire, l'important n'est pas de savoir qui intervient, mais d'intervenir vite. Les forces militaires présentes dans les Caraïbes constituent ainsi un relais et un point d'appui essentiel pour intervenir à la suite de catastrophes naturelles, cyclones, séismes, éruptions volcaniques.
Cet accord est un exemple rare de coopération entre deux États européens sur le continent latino-américain. La France et les Pays-Bas ont démontré une coopération ancienne et active en matière de construction européenne. Ils démontrent une fois de plus leur capacité à coopérer. Il serait bon que cet accord encourage le développement d'une véritable politique étrangère de la France en Amérique latine et dans les Caraïbes. Jusqu'à la signature de l'accord dont il est question aujourd'hui, la coopération franco-néerlandaise reposait sur des notes verbales. Enfin, la coopération sera formelle. Je vous invite, mes chers collègues, à voter pour ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Buisson, du groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président Bourlange, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Les Pays-Bas, au même titre que la France, sont de ces illustres nations qui ont contribué à façonner notre continent européen. Ce sont un État, un peuple, une nation amie avec lesquelles la coopération est nécessaire. Nous ne partageons pas de frontières communes en Europe, mais bien dans les Caraïbes, sur l'île de Saint-Martin. Il est donc ici question de coopération dans le domaine de la défense avec le Royaume des Pays-Bas dans nos territoires ultramarins voisins. Le groupe Rassemblement national aimerait en premier lieu rappeler l'importance que revêtent pour la nation nos compatriotes vivant dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, ou devrais-je dire, Madame la Ministre, de France, Océane ou encore de l'archipel français, comme le disait l'un de vos collègues. Au-delà des querelles byzantines de nomenclature parisienne, il est indispensable que nous intégrions mieux les départements, régions et collectivités d'outre-mer, à la fois dans le cadre national, où ils figurent souvent parmi les oubliés des gouvernements successifs, et dans leur cadre régional, qui offre aussi des possibilités de coopération aux bénéfices mutuels. À ce titre, nous soutenons les efforts engagés en termes de coopération internationale avec les États voisins, sinon frontaliers, de ces territoires ultramarins pour améliorer le cadre de vie, la protection et la prospérité de nos compatriotes. En ce qui concerne la coopération internationale, nous rappelons que le Rassemblement national privilégie les initiatives bilatérales aux initiatives multilatérales. N'en déplaise à certains, nous pensons que les nations demeurent et demeureront l'échelle imprescriptible de l'exercice de la souveraineté et de la démocratie. Face au problème de l'inefficacité patente de certaines initiatives multilatérales, qui à force de vouloir concerner la terre entière ne finissent par concerner personne, nous préférons la conclusion d'accords bilatéraux qui respectent la souveraineté des nations. Pour revenir à la lettre du texte, nous soutenons non seulement le cadre de cet accord, mais aussi le fond. Comme l'a encore montré le passage dévastateur de l'ouragan Irma en 2017 sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, qui a coûté la vie à 15 personnes, endommagé à divers degrés 85% des bâtiments, et coupé l'eau, l'électricité comme télécommunication, la coopération entre la France et les Pays-Bas est nécessaire. Cet accord simplifie donc les démarches liées aux exercices et stages militaires, ainsi qu'aux opérations d'aide humanitaire et de gestion de catastrophes naturelles, en créant un cadre intergouvernemental stable. Nous évitons donc les lourdeurs, associées à l'obligation des éditions par le ministère et ambassade de notes verbales et d'autres accords spécifiques pour la réalisation de la moindre action commune. Enfin, comme l'a souligné Madame la rapporteure, nous apportons une nuance et demandons au gouvernement de rester vigilant quant au coût des opérations menées en coopération avec nos partenaires, surtout quand nos compatriotes sont, comme le budget de l'État, à l'euro près. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Le Boucher du groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Rapporteure, chers collègues.
Cela va sans dire, nous traversons une époque marquée par les crises et les défis. Émergence de nouvelles guerres, résurgence d'anciens conflits, multiplication des menaces hybrides et des événements climatiques extrêmes. Alors loin de moi l'idée cependant de vouloir nous plonger dans une forme d'apathie, au contraire. Ce constat appelle l'action. Face aux tempêtes, la France se doit de mener une politique extérieure et de défense forte, non alignée et indépendante. L'accord que nous examinons aujourd'hui vise à renforcer la coopération de défense entre les Pays-Bas et la France dans leurs territoires caribéens et sud-américains. À l'heure actuelle, 3600 personnels des forces armées françaises et 900 militaires néerlandais sont présents dans cette vaste zone. La coopération de défense entre nos deux pays dans cette aire géographique est déjà riche. Elle a été démontrée à de multiples reprises, par les nombreux entraînements militaires, par la dizaine d'escales de navires de guerre dans les îles de nos deux États, mais aussi par les exercices d'aide humanitaire et de gestion de catastrophes. Cette collaboration a constitué une ressource précieuse en 2017 après le passage de l'ouragan Irma, lorsque les forces françaises et néerlandaises ont été déployées sur l'île de Saint-Martin pour apporter une assistance humanitaire à des populations qui en avaient tant besoin. Alors jusqu'ici, cette coopération se déroulait de manière ad hoc, sans cadre juridique. En effet, la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, dite SOFA-OTAN, à laquelle la France et les Pays-Bas sont parties prenantes, ne s'applique qu'à leur territoire métropolitain. Par conséquent, nos deux pays se trouvaient dans l'obligation de passer par des notes verbales et accords spécifiques afin de pouvoir mener des actions de défense communes dans la région. Alors que la France et les Pays-Bas ont signé une déclaration d'intention en août 2021, afin de renforcer leur coopération, il était essentiel de trouver une solution durable. L'accord que nous examinons aujourd'hui présente un double avantage. Il permet à la fois de structurer et de pérenniser notre action commune avec un partenaire dans une zone d'intérêt partagé, mais aussi de s'affranchir du carcan de l'OTAN. Cet accord démontre qu'il est possible de créer des coopérations opérationnelles sans devoir se plier à une quelconque doctrine atlantiste. Indépendance et coopération ne sont pas opposées, bien au contraire. Il est possible de mener une politique de défense non alignée, indépendante et capable de surmonter les défis communs. Un rapport publié en octobre 2022, au nom de la Commission des finances du Sénat, notait que la présence militaire dans les Outre-mer subissait de plein fouet la rationalisation des moyens alloués, entraînant une réduction des effectifs au strict nécessaire. Pourtant, nos Outre-mer représentent des ressources uniques pour construire des politiques internationales et des partenariats régionaux. Pour construire des politiques ambitieuses, deux choses sont essentielles, une vision à long terme, mais aussi des moyens suffisants. Au-delà des enjeux de défense examinés aujourd'hui, la relation bilatérale avec les Pays-Bas dans cette région du monde présente de vastes opportunités de coopération. Un premier domaine est celui de la lutte contre la criminalité organisée, notamment le trafic de drogue, d'armes ou encore la pêche illégale et leur pillage clandestin. Nous pourrions aussi grandement bénéficier d'une coopération renforcée avec nos voisins dans la lutte contre la corruption. Enfin, alors que le gouvernement ne cesse de nous parler de déficit à l'heure actuelle, nous pouvons aussi agir en coopérant dans la lutte contre la fraude fiscale dans la région. Un rapport présenté par ma collègue Charlotte Leduc en octobre dernier notait en effet que la fraude fiscale représente un manque à gagner de 50 à 120 milliards d'euros par an. Alors allons chercher cet argent. Il nous faut également élargir nos perspectives sur la défense. L'ouragan Irma en 2017 et plus récemment encore les ouragans Fiona et Ian à l'automne 2022 nous rappellent la réalité du dérèglement climatique. Ils nous rappellent également l'urgence d'agir, alors que les événements climatiques extrêmes affectent particulièrement nos territoires ultramarins. Pour bon nombre de nos compatriotes, le dérèglement climatique n'est pas un concept abstrait et lointain. Il est une menace grandissante pour leurs conditions d'existence. Il est grand temps de rompre avec l'inaction climatique et au manque d'ambition auquel nous a habitués ce gouvernement. Notre politique de défense doit ainsi pouvoir répondre à ce défi, et cela passe aussi par un renforcement de notre coopération bilatérale à court terme et long terme. Dans l'immédiat, les actions conjointes en matière d'assistance logistique et humanitaire doivent être multipliées, et cela sera rendu possible par cet accord. À plus long terme, nos pays doivent aussi faciliter l'échange de bonnes pratiques face aux événements climatiques extrêmes, mais aussi mettre en place des plans communs de prévention et de protection des populations et des infrastructures. Les élus ultramarins ainsi que les communautés doivent être associés à chacune des étapes de cette coopération et leurs demandes prises en compte. Les Outre-mer peuvent ainsi constituer le fer de lance d'une diplomatie non alignée, universaliste et capable de faire face aux enjeux contemporains. Pour ces raisons, le groupe LFI NUPES votera en faveur de la ratification de cet accord. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Dumont du groupe Les Républicains.
Bien, Madame le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame le Rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes réunis cet après-midi pour ratifier l'accord entre la France et les Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur nos territoires caribéens et sud-américains. Nos deux pays étant des partenaires européens de longue date, membres fondateurs de l'Union européenne, membres de l'OTAN, je ne suis pas certain que cette levée de la procédure simplifiée soit particulièrement nécessaire. Comme cela a été rappelé lors de l'examen en commission, cet accord constitue un rare exemple de coopération entre deux pays européens sur le continent latino-américain. Ceci est particulièrement vrai depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La présence de nos deux pays dans cette zone caraïbe et sud-américaine renvoie à notre lointaine et riche histoire. Si la France est toujours présente sur le continent sud-américain au travers de la Guyane française, les Pays-Bas ont accordé l'indépendance à la Guyane néerlandaise en 1975, au terme d'un processus entamé dans les années 50. L'influence néerlandaise demeure forte au Suriname, la langue officielle y reste le néerlandais, notre pays compte plus de 500 km de frontière avec lui. Les Pays-Bas ne disposent donc plus de forces armées sur le sol latino-américain et les concentrent dans les Caraïbes, entre Curaçao, Aruba et Saint-Martin, environ 900 militaires. Elles sont susceptibles de pouvoir s'entraîner en Guyane, d'où l'ouverture de cette zone à l'accord. Pour rappel, notre pays stationne en Guyane près de 2200 militaires, les forces armées en Guyane, les FAG, en charge de la protection du centre spatial guyanais, mais qui luttent aussi contre les divers trafics, dont le fléau de l'orpaillage. Les forces armées aux Antilles comptent plus de 1000 militaires, surtout stationnés à la Martinique et en Guadeloupe. Je tiens ici à saluer le travail qu'ils effectuent au service de nos concitoyens, mais aussi pour rappeler et défendre la souveraineté française dans cette zone. Notre rapporteur l'a rappelé dans son exposé, c'est surtout l'ouragan Irma du 26 septembre 2017 qui a rappelé l'importance de la coopération entre nos deux pays. Beaucoup ont découvert à cette occasion que France et Pays-Bas se partagent respectivement le nord et le sud de l'île de Saint-Martin. Cette île particulièrement touchée par l'ouragan a pu bénéficier dès les premières heures d'un soutien humanitaire et logistique déployé par les forces de sécurité et de défense de nos deux pays. Cette coopération, à l'époque, sans accord intergouvernemental pérenne, a nécessité un certain nombre d'échanges de notes et d'accords pour se mettre en place. L'accord que nous examinons aujourd'hui, qui s'inspire largement des clauses classiques figurant dans les accords de coopération en matière de défense et de sécurité, et régissant le statut des forces signé par la France, doit permettre justement d'organiser cette coopération et doit en réalité contribuer à l'accroître. Le Royaume des Pays-Bas est un pays avec lequel la France coopère de manière étroite en matière militaire, aussi bien au travers d'opérations communes dans diverses zones du monde. Je pense à la Méditerranée, à la lutte contre la piraterie, à la Task Force Takuba au Mali, à l'opération Aigle en Roumanie, mais aussi dans des programmes communs d'armement avec, entre autres, la lutte anti-mine navale. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera pour la ratification de cet accord qui fait avancer notre défense ainsi que notre souveraineté et nos Outre-mer. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Ménard. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame le Rapporteur, chers collègues, depuis 2016, France et Pays-Bas ont émis le souhait de renforcer une coopération déjà riche dans leur territoire ultramarin de la zone Caraïbe et Amérique du Sud. Cette alliance, géographiquement et politiquement naturelle, n'est pas nouvelle. Et pour cause, l'île de Saint-Martin est, depuis le traité de Concordia du 23 mars 1648, partagée par une frontière d'une dizaine de kilomètres entre nos deux pays. Ce processus conventionnel, entamé il y a déjà 7 ans, devrait aboutir en mars prochain à un accord bilatéral mettant fin aux imprécisions du tracé de cette frontière et ses conséquences en matière fiscale notamment. L'ouragan Irma, le 6 septembre 2017, qui a frappé avec une violence inouïe ces régions malheureusement placées sur la trajectoire directe de l'œil du cyclone, 15 personnes y ont perdu la vie et 85% des bâtiments ont été endommagés. Et plus récemment, le Brexit, puis la guerre en Ukraine, ont favorisé le rapprochement entre nos deux nations.
Déjà liés par l'accord du 28 juillet 1992, la France et les Pays-Bas ont, en août 2021, à l'occasion de la visite du Premier ministre néerlandais à Paris, signé une déclaration d'intention qui prévoyait pour la zone caribéenne et sud-américaine un renforcement en matière de défense, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée, mais également en termes d'échanges opérationnels. Le dernier rapport du MICA Center fait état de menaces majeures que représentent le trafic de drogue, d'êtres humains ou d'armes, ainsi que la pêche illicite qui, dans l'arc antillais, entraîne l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde. Cet accord vient officialiser, faciliter et intensifier une coopération déjà forte entre la France et les Pays-Bas dans le cadre des entraînements militaires, dans la gestion des catastrophes naturelles ou de la crise liée à la Covid-19. Je rends ici hommage à nos 2120 militaires déployés en Guyane et aux 1060 supplémentaires stationnés en Guadeloupe et à la Martinique. Au-delà de cet accord et des coûts qu'il pourrait représenter, absents pour l'heure des rapports parlementaires, c'est des outre-mer français qu'il nous faut débattre. Ils sont l'un des impensés les plus criants de notre politique nationale. Et pour cause, la vision ultramarine de la France se limite trop souvent à des problèmes sociaux. Trop souvent, les outre-mer ne sont vus, tels la Martinique ou la Guadeloupe, que sous le prisme d'une actualité agitée par les grèves et les conflits durs. Je ne parlerai pas de la Guyane, dont on pourrait croire que sa seule richesse consiste en orpailleurs et en entrées clandestines. Pourtant, c'est grâce à la Guyane que la France dispose de sa plus longue frontière terrestre, et avec l'un des plus grands pays au monde, le Brésil. Ce pays est autant le voisin de la France que le sont l'Italie ou l'Allemagne en Europe. Les Antilles françaises, insérées dans l'important espace Caraïbe, à proximité du Mexique et des États-Unis, ont elles aussi un rôle stratégique à jouer qui ne peut se limiter au tourisme de masse et à la redistribution des aides destinées à acheter la paix sociale pour mieux oublier l'instauration d'une véritable ambition de développement. Ne l'oublions pas, nos outre-mer sont souvent pauvres comparés à la métropole, mais riches comparés à leurs voisins immédiats. Par rapport à Cuba et à Haïti, les Antilles françaises sont des îlots de prospérité et de stabilité. Et que penser de Mayotte, exclue de la commission de l'océan Indien aux seules fins de ménager les Comores, lesquels Comores s'apprêtent à prendre la tête de l'Union africaine et à faire entendre leurs revendications sur Mayotte, tout en négociant des aides financières de Paris dans le cadre de la COI, chercher l'erreur. Enfin, nous votions la semaine dernière un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Dois-je rappeler ici que c'est grâce à nos outre-mer que nous possédons la plus grande zone économique exclusive au monde après les États-Unis. Nos outre-mer sont, par leurs emplacements stratégiques, des territoires vitaux pour notre pays et font de la France un acteur majeur dans le concert des nations. La France est le seul pays présent sur 6 des 7 continents et les 3 grands océans de la planète. Nous nous devons d'avoir, pour sauvegarder la puissance française, une politique volontariste pour ces régions ou départements qui sont la France. Je souscris donc à l'accord que nous discutons, mais il nous reviendra de décider ce qu'il convient de faire pour que nos territoires français d'outre-mer se transforment en levier de puissance économique, géostratégique et militaire. La tâche est immense, mais la France le mérite. Je vous remercie. Je vous remercie. Sur le vote du projet de loi, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la ministre. Merci. Merci d'abord du large soutien à ce projet de loi. Quelques précisions en réponse à ce qui a été levé. D'abord sur l'estimation des coûts. Il s'agit ici d'un cadre juridique. Il n'est pas possible d'estimer les coûts. Ils vont dépendre des actions, des besoins à venir, et l'on espère que ce sera le moins possible puisque c'est en grande partie des catastrophes naturelles. L'important, c'est qu'en dehors de ces événements, cet accord va permettre aux forces armées aux Antilles qui le demandent, cet accord, de s'entraîner et notamment aux évacuations. Sur le sujet frontières qui a été levé par un certain nombre d'entre vous, je peux vous assurer que nous progressons. Et j'ai bien noté, d'autre part, le souhait de certains d'aller vers un accord de coopération plus global.
En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que je remercie ceux qui ont compris que renforcer sans cesse nos coopérations renforce notre puissance collective. Je vous remercie. Donc la discussion générale est close. Si vous êtes tous d'accord, on va quand même procéder au scrutin. Nous n'avons pas les 5 minutes. Pas tout à fait, non. Non. Donc nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Je vous prie de bien vouloir gagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 86, exprimés 86, majorité 44, pour 86, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. L'ordre du jour appelle la discussion, selon la procédure d'examen simplifiée en application de l'article 103 du règlement, du projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo relatif à l'emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre. Ce texte n'ayant fait l'objet d'aucun amendement, je vais mettre directement aux voix l'article unique de ce projet de loi. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi adoptée par le Sénat sur le déroulement des élections sénatoriales. La conférence des présidents a décidé que ce texte serait examiné dans son intégralité selon la procédure de législation en commission. En application de l'article 107 alinéa 3 du règlement, nous entendrons tout d'abord les interventions du gouvernement et du rapporteur de la commission, puis les explications de vote des groupes. Nous passerons ensuite directement au vote sur l'ensemble. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la proposition de loi des élections sénatoriales portée par le président François-Noël Buffet et qui a été adoptée en première lecture au Sénat. Je profite de cette occasion pour vous dire ô combien j'attache personnellement d'importance à la qualité de nos travaux au service des collectivités, des territoires et de nos concitoyens. Je crois profondément au dialogue, à la possibilité de s'accorder sur les meilleurs compromis et à la nécessité de dégager des consensus. Je pense que cette proposition de loi qui nous a été présentée et votée à l'unanimité par l'ensemble des groupes au Sénat nous en offre d'ores et déjà une bonne occasion. Elle porte bien sûr sur un sujet important qui touche à la mécanique même de notre démocratie. Elle se fonde aussi sur un constat que nous partageons tous, celui du caractère inadéquat des modifications de 2019 avec les particularités du scrutin sénatorial dans notre pays, notamment dans les départements concernés par le scrutin majoritaire à 2 tours. C'est pourquoi notre gouvernement porte un avis favorable sur l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi qui permettront de lever l'interdiction de la communication de résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de notre France métropolitaine, ainsi que de faire campagne entre les 2 tours des sénatoriales lorsque cela est applicable. Ce sont des mesures de bon sens qui permettent de corriger les difficultés et les ambiguïtés constatées lors de la première mise en œuvre de ces modifications à l'occasion du scrutin de 2020. La communication des résultats dans les départements à scrutin majoritaire, mais dont le premier tour avait été conclusif, avait été longuement repoussée jusqu'à la fin de la journée, alors même que les résultats fuitaient déjà dans les médias. Par ailleurs, l'impossibilité de faire campagne entre les 2 tours avait présenté le risque de remettre en cause la sécurité juridique des élections sénatoriales, comme a pu le montrer la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel. En définitive,
L'objectif qui est recherché est de rendre aux élections sénatoriales les dispositions qui sont les plus adaptées à leurs spécificités et donc à la réalité de nos territoires. Pour la levée de l'interdiction de la communication de résultats, nous n'avons aucune réserve puisqu'il n'y a pas de risque de créer un précédent pour d'autres types de scrutins. Pour la levée de l'interdiction de faire campagne entre les deux tours, une difficulté doit être prise en compte, à mon sens, rendre inapplicable l'article 49 du Code électoral. Simplement, des mesures de retenue doivent être observées afin de préserver la neutralité du vote. C'est pourquoi nous proposons de reconduire les recommandations antérieures de mesures et de retenue aux candidats au niveau infra-réglementaire, comme c'était le cas auparavant. Mesdames et messieurs les députés, je crois que ces ajustements techniques sont les bienvenus à l'horizon du prochain scrutin sénatorial et je suis convaincue qu'ils susciteront une large adhésion des députés au-delà de tout débat passionnel. C'est une proposition de loi qui va dans le sens de l'intérêt général de notre démocratie et de la juste prise en compte des caractéristiques du Sénat. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Vuilletet, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes dans un débat dont l'intensité dramatique n'aura échappé à personne, et je pense qu'il marquera un peu notre histoire, mais il s'occupe d'un problème important. Même si les dispositions qui sont prévues par ce texte sont des dispositions qui sont assez ramassées. Et il peut être le prétexte d'un débat beaucoup plus large, et j'attends avec appétit l'intervention future de notre collègue Vincien Lachaud, qui nous avait gratifié d'un débat très profond sur l'avenir des institutions, sans doute avec une vision un peu large du sujet qui nous préoccupait, mais sans doute avec, avec des arguments qui méritent d'être débattus. Je crains de ne pas être... Je crains de ne pas être totalement à la hauteur de ce qu'il voulait aborder comme sujet, mais je ne doute pas qu'il le fasse d'ici peu de temps. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi d'une ambition donc raisonnable, ce qui ne signifie pas qu'elle ne soit pas indispensable au bon fonctionnement de nos institutions. C'est pourquoi elle a été choisie de recourir à la procédure de législation en commission sur l'ensemble des articles, et je remercie les différents groupes d'avoir, si je puis le dire, joué le jeu en ne s'y opposant pas. Nous devons tous garder nos forces, je crois, pour les jours et les semaines à venir, d'aucuns considérons qu'on peut en avoir un petit peu besoin. Je vous rappelle le contexte dans lequel s'inscrit ce texte qui nous vient du Sénat, à l'initiative du président de sa commission des lois, le sénateur François-Noël Buffet. Au mois de septembre 2023, environ la moitié des 162 000 grands électeurs seront appelés aux urnes pour renouveler 170 des 348 sièges du Sénat. Vous le savez, depuis 2003, et le raccourcissement du mandat sénatorial de 9 à 6 ans, le renouvellement du Sénat s'effectue par moitié et non plus par tiers. Ce scrutin présente plusieurs spécificités. D'abord, il se déroule au niveau des départements et au suffrage indirect, c'est l'article 24 de la Constitution qui le prévoit. Compte tenu de ce corps électoral limité, les opérations de vote se terminent généralement avant la fermeture du bureau, ce qui permet le dépouillement anticipé des bulletins. Nous verrons que cela a son importance par la suite. Par ailleurs, depuis 2000, deux modes de scrutin coexistent. Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection se déroule au scrutin proportionnel avec des listes paritaires. Dans les départements où sont élus un ou deux sénateurs, c'est un scrutin majoritaire à deux tours qui a été conservé. Enfin, ce scrutin a lieu en une seule journée, quel que soit le lieu du mode de scrutin, et dans un seul bureau de vote au chef-lieu. Ces trois éléments sont d'importance pour comprendre le texte qui nous est soumis. L'article 12 de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral a étendu aux élections sénatoriales certaines dispositions des exigences applicables aux autres élections, notamment législatives en matière de propagande électorale. Cette proposition de loi d'initiative sénatoriale visait à améliorer la transparence de ce scrutin et allait à ce titre dans le bon sens. Néanmoins, la coexistence de deux modes de scrutin et le déroulement de l'élection en une seule journée, qui font la spécificité du scrutin sénatorial, implique de nouvelles adaptations pour corriger, on pourra dire de façon un peu taquine, quelques effets de bord qui n'avaient pas forcément été anticipés par nos collègues sénateurs.
En effet, les élections sénatoriales qui se sont tenues en septembre 2020 ont mis en évidence deux difficultés dans la mise en œuvre des règles établies par la loi du 2 décembre 2019. En ce qui concerne la publication des résultats et la possibilité de faire campagne entre les deux tours. D'abord, en étendant aux élections sénatoriales les dispositions de l'article L52.2 du Code électoral, il est devenu impossible de publier les résultats dans un département avant que le dernier bureau de vote métropolitain n'ait été fermé. Or, comme je l'ai indiqué, les opérations de vote et de dépouillement se font traditionnellement au fil de l'eau pour libérer les grands électeurs, et cela n'a jamais posé de difficultés. Au contraire, cette nouvelle disposition a suscité des problèmes puisqu'elle interdit la publication des résultats du premier tour. Dès lors, même si le scrutin du premier tour était clos à 11h, dans les départements votant en scrutin majoritaire, les bureaux restaient ouverts toute la journée jusqu'à 17h30. Pour communiquer les résultats du premier tour, alors que le second tour commençait à 15h30, il s'agit là donc d'une incongruité à corriger, on en conviendra. Par ailleurs, l'application de l'article L49 du Code électoral aux élections sénatoriales a privé les candidats de toute possibilité de faire campagne entre le premier et le deuxième tour. En effet, cet article du Code électoral interdit toute réunion ou communication ayant le caractère de propagande la veille et le jour du scrutin. Ce qui, pour un scrutin qui se déroule le même jour, est un peu un souci. Donc, la campagne d'entre-deux tours devenait de facto illégale dès lors qu'il y avait donc ce mode de scrutin majoritaire. Nos collègues sénateurs avaient l'habitude d'organiser d'ailleurs des déjeuners conviviaux le jour des jours de scrutin, ce qui peut s'entendre et ne mérite pas de mettre en péril la sincérité du scrutin. Le Conseil constitutionnel a ainsi dû se prononcer sur plusieurs recours concernant des repas organisés ou des messages adressés aux grands électeurs par des candidats entre les deux tours. Aucun scrutin n'a été annulé sur ce fondement, mais le Conseil constitutionnel a confirmé que ces actions contrevenaient aux dispositions du Code électoral. Autre conséquence de cette disposition, les dépenses induites ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement au titre des frais de campagne, ce qui n'est pas davantage justifié. Je vous rappelle que les frais de campagne, le plafond des dépenses de campagne pour les sénatoriales sont de 10 000 euros par scrutin, plus 2 à 5 centimes par électeur. La présente proposition de loi, adoptée par le Sénat le 6 décembre dernier, prévoit donc deux dérogations pour corriger ces dysfonctionnements. En premier lieu, elle exclut l'application de l'article L52.2 du Code électoral aux élections sénatoriales pour permettre, comme c'est le cas dans les départements d'outre-mer, de publier les résultats département par département, dès lors que le bureau de vote du département, encore une fois, il n'y en a qu'un seul, est fermé. Cela permettra aux préfectures de garder la main sur la divulgation des scrutins plutôt que de les voir fuiter de matière incontrôlée au fil de la journée. Et quelque part, je me souviens du débat que nous avons eu en commission, ça répond aussi à une objection qui avait été faite de savoir si la publication précoce des résultats pouvait influencer les résultats d'un autre département. En réalité, c'est la publication sous le manteau et de façon officieuse des résultats qui pouvait avoir ses effets, si tant est qu'il y en ait eu un. En second lieu, la proposition de loi exonère les candidats des départements où l'élection se déroule au scrutin majoritaire des obligations résultant de l'article L49 du Code électoral afin de les autoriser à faire campagne entre la fin du premier tour et le début du second tour. Ils resteront évidemment soumis aux règles de bienséance qui régissent les campagnes électorales et qui leur ont été étendues en 2019. Par cohérence, le rapporteur du Sénat, en accord avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a complété la proposition de loi par un article 1er bis afin de permettre aux candidats d'inscrire à leur compte de campagne les dépenses engagées entre les deux tours et ainsi qu'ils puissent prétendre à leur remboursement. Enfin, l'article 2 de la proposition de loi précise que cette modification du Code électoral concerne l'ensemble du territoire de la République. Cette précision était utile pour les collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution, et pour la Nouvelle-Calédonie, car elles obéissent au principe de spécialité législative. La Commission des lois de l'Assemblée nationale est profondément attachée à ce que le renouvellement partiel du Sénat en septembre prochain se déroule dans les meilleures conditions. Elle s'est donc prononcée à l'unanimité en faveur de l'adoption conforme de cette proposition de loi et j'espère qu'il en sera de même pour cette noble Assemblée. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons aux explications de vote. La parole est à Madame Poussier-Wiesbach du groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Le groupe Horizon et Apparentés votera ce texte qui nous paraît simplement de bon sens pour les élections sénatoriales qui approchent et afin d'éviter les écueils rencontrés en septembre 2020. Il paraît en effet incroyable que lors des dernières élections sénatoriales,
Et on ait pu obtenir un déroulement dans des conditions interdisant notamment les candidats qualifiés au second tour de poursuivre leur campagne de l'entre-deux-tours. S'il paraît indispensable pour assurer la sincérité du scrutin que mener campagne ne soit plus possible à partir de la veille du scrutin lorsqu'une semaine sépare les deux tours, ce qui nous concerne ici, cela paraît absurde dans le cas d'une journée électorale unique. Par cohérence, les résultats du premier tour des scrutins majoritaires devront être communiqués dès la fin de matinée, tandis que les résultats des seconds tours de scrutin et ceux des scrutins à la représentation proportionnelle devront être à nouveau diffusés progressivement sur l'ensemble du territoire métropolitain au fur et à mesure de leur remontée depuis les départements. Non seulement cela va éviter les fuites dans certains organes de presse, mais cela permettra d'offrir également une couverture médiatique suffisante à des élections importantes. Enfin, le travail de nos collègues sénateurs a permis de clarifier, par cohérence avec les ajustements évoqués, la question du remboursement des dépenses à visée électorale engagées durant la période de l'entre-deux-tours par les candidats qualifiés au second tour. Il nous paraît légitime que les dépenses engagées par les élus qualifiés au second tour soient éligibles au remboursement forfaitaire par l'État. Donc le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Lucas du groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Les députés écologistes comme leurs collègues du Sénat voteront évidemment cette proposition de loi qui est, ça a été dit là aussi par les collègues, de bon sens que des résultats de premier tour puissent être proclamés mais non publiés avait là un caractère très incongru. Mais puisque nous sommes dans l'évocation de dysfonctionnement démocratique, je ne peux m'empêcher d'inviter cette Assemblée à poursuivre l'exercice jusqu'à corriger l'ensemble des dysfonctionnements démocratiques dans notre pays. Et à l'heure où l'abstention est aussi massive, à l'heure où l'épouse du président de la République se substitue au ministre de l'Éducation nationale sur le port de l'uniforme à l'école, à l'heure où vous avez choisi de gouverner contre l'immense majorité du peuple avec la réforme des retraites, il nous apparaît que ces institutions obsolètes de la Ve République, à bout de souffle, qui produisent de la colère et de la désespérance, et je peux terminer, chers collègues, doivent être profondément repensées, tant dans leur structure que dans leur pratique. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Legendre du groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas abuser du temps de cette noble assemblée. Tout a été dit et fort bien dit par Madame la Ministre, par Monsieur le Rapporteur et par les orateurs précédents. Ce texte est à la fois indispensable mais ne présente pas de sens politique forcément très poussé. Donc évidemment, notre groupe Renaissance approuvera ce texte, évidemment dans la version conforme. Je vous remercie. Je vous remercie. Sur le vote de la proposition de loi, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Lelouis du groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. La proposition de loi qui a été votée aujourd'hui ne bouleverse pas les règles électorales applicables aux élections sénatoriales. Nous sommes donc satisfaits de son adoption. Elle est le résultat du besoin exprimé par nos collègues sénateurs et les grands électeurs de mettre ces règles en conformité avec la spécificité de ces élections qui se déroulent sur une journée unique et dont le corps électoral est restreint. La réforme de 2019 avait, sans prendre en compte cette spécificité, aligné le régime des élections sénatoriales sur celui des autres élections à plusieurs égards. Cette proposition revient sur certaines de ces dispositions. La première modification permet aux candidats dans les départements soumis au scrutin majoritaire de faire campagne entre les deux tours du scrutin le jour de l'élection. Cette modification relève du bon sens et il est heureux qu'elle soit proposée par nos collègues sénateurs qui connaissent le mieux l'élection à laquelle ils participent. Il apparaît également logique que les frais de cette campagne d'entre deux tours soient pris en charge par l'État au même titre que ceux exposés dans d'autres élections. Concernant la fin de l'embargo prévu par l'article L52-2 du Code électoral, qui avait été étendu aux élections sénatoriales par la réforme de 2019, le groupe Rassemblement national considère également pertinente la possibilité de publier les résultats dès qu'ils sont connus.
mais cette modification, propre aux élections sénatoriales, appelle sans doute une réflexion plus globale pour l'avenir. Nous pourrions également l'élargir à la question des sondages. Faut-il les réglementer davantage lorsque le moment de l'élection devient imminent ? La question est la même : préserver l'impartialité de nos élections démocratiques et permettre la sincérité du vote de nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Lachaud du groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, ce texte vise à corriger des aberrations qui ont été introduites par l'extension des règles générales applicables au scrutin aux élections sénatoriales. En effet, le rythme effréné de législation qui nous a été imposé sous le précédent mandat ne permettait pas et ne permet toujours pas de légiférer sereinement et en prenant le temps de bien examiner les sujets. Aussi, la modification apportée en 2019, alignant les élections sénatoriales sur les autres élections, a conduit à un certain nombre d'aberrations qui se sont révélées au dernier scrutin. À cause de l'interdiction de proclamer les résultats des élections avant la fermeture du dernier bureau de vote de France métropolitaine, il était théoriquement interdit de proclamer les résultats du premier tour avant le début du deuxième tour. Mais comment organiser un deuxième tour sans savoir les noms des candidats ? Il était également devenu impossible de faire campagne pour le deuxième tour, même brièvement. En effet, comme les deux tours ont lieu le même jour, l'application de l'interdiction de faire campagne la veille et le jour du scrutin empêche de fait toute campagne. Mais la campagne électorale est inhérente au vote et au choix éclairé des électeurs. Alors, il est vrai que l'élection sénatoriale est spécifique dans notre paysage politique en ce qu'elle ne s'adresse pas aux citoyennes et citoyens dans leur ensemble, mais seulement aux grands électeurs. Mais une élection reste une élection, c'est-à-dire un choix entre différentes personnes qui portent des programmes. Cela vaut pour les sénatrices et les sénateurs, pour les députés, pour la présidence de la République. Masquer la campagne électorale, c'est nier le choix démocratique. Ces aberrations de la loi doivent être corrigées, ce que propose ce texte de loi. Aussi, nous ne pouvons qu'y être favorables. Mais plus largement, il faut réfléchir à l'élection sénatoriale dans son ensemble. Avons-nous aujourd'hui besoin d'un système bicaméral ? Si oui, voulons-nous maintenir le scrutin indirect ? Nos institutions ont été décidées sans le peuple à l'occasion d'un coup de force en 1958. Le peuple français a pourtant considérablement changé depuis 1958. Mais ces institutions sont vermoulues, sclérosées et leur légitimité fond à vue de l'œil. Notre régime dérive lentement mais sûrement vers l'autoritarisme. Depuis l'adoption forcée du traité de Lisbonne contre le vote explicite du peuple français, les exemples sont légion. Le recours au 49-3 est banalisé, écrasant jusqu'au Parlement. Et la réforme des retraites qui s'annonce augure encore d'une pitoyable manœuvre antidémocratique. Méthode délétère qui éloigne encore plus le peuple des institutions censées le représenter. D'ailleurs, la participation aux différentes élections s'effondre, sauf bien sûr les élections sénatoriales où le vote est obligatoire. Pourquoi le vote obligatoire ne serait-il pas, dans le sens inverse, généralisé aux autres élections ? Nous y serions favorables, mais encore faudrait-il pour cela avoir une réelle discussion démocratique dans ce pays. Nous devons non plus faire des lois de modification à la marge de notre système électoral, mais refonder entièrement notre système politique du sol au plafond. Il faut que le peuple politique se refonde lui-même en refondant ses institutions. Nous souhaitons que cette nécessaire refondation se fasse par une assemblée constituante qui siégerait en parallèle de nos institutions jusqu'à une nouvelle constitution pour une sixième république puisse être adoptée, pour une nouvelle république démocratique, écologique et sociale. Là, il serait opportun de redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans son ensemble, entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, mais aussi et surtout le pouvoir du peuple. Quelle serait la place du Sénat dans ce nouveau système ? C'est au peuple d'en décider. Ce sont des questions démocratiques fondamentales qui doivent être débattues par le peuple pour que notre démocratie revive. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Boucard du groupe Les Républicains.
Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, je m'excuse par avance, je serai relativement plus bref que mon prédécesseur, n'ayant pas prévu de revisiter l'intégralité des institutions de notre République. Aujourd'hui, juste pour vous dire que notre groupe, Les Républicains, votera évidemment en faveur de cette proposition de loi qui vise au déroulement des prochaines élections sénatoriales et qui vise en fait à corriger des irrégularités qui ont pu avoir lieu lors des dernières sénatoriales de 2020 en prévision du prochain renouvellement de 2023. C'est une proposition faite par nos collègues sénateurs de la Commission des lois. Je veux ici saluer François-Noël Buffet, le président de cette commission, qui portait ce projet de loi. Il ne nous semble pas y avoir de difficultés dessus. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi. Et j'avais dit que je ne serais pas trop long. J'ai déjà été beaucoup trop long pour ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Mandon du groupe démocrate. Ah, merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, la discussion de cette proposition de loi d'initiative sénatoriale adoptée à l'unanimité par le Sénat me donne l'occasion de présenter deux observations de caractère général. La première a trait aux obligations que la Constitution attache à l'exercice de notre fonction législative. À juste titre, la jurisprudence constitutionnelle impose au Parlement, depuis au moins une vingtaine d'années, de l'exercer effectivement et pleinement. Dans son dernier état, elle a fait de la clarté de la loi un corollaire de cette obligation. Le respect de la clarté de la loi se trouve toute sa place lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de définir les conditions de déroulement des élections sénatoriales, acte politique majeur. Il a été involontairement malmené, la proposition de loi apporte le remède nécessaire. La seconde observation est de technique législative. Certes, sur un sujet particulièrement sensible, en raison du domaine politique auquel il touche, la proposition de loi met en lumière une fois de plus le danger de la pratique des renvois de texte à texte, dont on ne cesse, au fil des législatures, de relever les risques juridiques. La structure du code électoral, où l'on trouve un certain nombre de tels renvois, a pu rendre moins vigilant face à ces risques. La leçon est sans aucun doute bonne à tirer. Dans ce contexte, la clarification opérée par cette proposition de loi répond plutôt avec bon sens aux problèmes constatés lors des élections sénatoriales de septembre 2020. Les dispositions ici en cause, dans leur dernière version, ont posé, souvenons-nous, de réelles difficultés. Et Madame la Ministre et Monsieur le Rapporteur l'ont bien précisé. Simple, clair et technique, ce texte de portée somme toute limitée vient donc utilement corriger et clarifier notre droit. En cela, il ne pose pas de difficultés. Et il n'est pas inutile de le rappeler, les prochaines élections sénatoriales ayant lieu en septembre prochain, il est impératif d'en garantir le bon déroulement. Il convient donc de légiférer dans les meilleurs délais. Et nous considérons donc qu'une adoption conforme s'impose. Et pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe démocrate approuvera ce texte. Merci. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Allez-y. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 97, exprimés 97, majorité 49 pour 97, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste dire un mot parce que déjà, je voudrais remercier cette Assemblée d'avoir émis ce vote et dire que mes sentiments sont partagés à la suite de l'intervention de notre collègue Lachaud. D'un côté, je le remercie d'avoir animé ce débat qui pouvait être un peu terne si jamais il n'était pas intervenu. Mais de l'autre, voir derrière l'examen de ce texte ou celui qui l'a précédé un sourd complot du gouvernement pour pouvoir assécher la démocratie, il fallait oser le faire. Je ne sais pas si c'est de la manipulation ou de la récupération. Je ne doute pas que ça fasse une très belle capsule vidéo. J'espère qu'il y aura l'ensemble des débats qui l'accompagneront. Peut-être pas. Sinon, ce serait peut-être une fake news. Je vous remercie.
Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. La conférence des présidents a décidé que ce texte serait examiné dans son intégralité selon la procédure de législation en commission. En application de l'article 107 alinéa 3 du règlement, nous entendrons tout d'abord les interventions du gouvernement et du rapporteur de la commission, puis les explications de vote des groupes. Nous passerons ensuite directement au vote sur l'ensemble. Nous allons donc suspendre quelques minutes en attente du gouvernement. Je vous remercie. Reprise de la séance. La parole est à Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous nous apprêtons aujourd'hui à vivre un moment important pour notre biodiversité. Dans cette enceinte, vous aurez dans quelques instants l'opportunité de mettre fin à des années de dégradation de notre paysage et de cette biodiversité que nous chérissons tant. Cette proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée est un texte fondamental. Le travail mené avec le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement, ainsi qu'avec les groupes parlementaires, est la concrétisation d'un travail rigoureux de co-construction législative. Je tiens à le saluer, car je suis fière d'avoir pu mener avec vous ce travail collectif. Il est la preuve qu'ensemble, dans l'écoute et le débat, nous pouvons aboutir à des consensus forts et faire bouger les lignes pour nos territoires et pour les Français. Je crois qu'une prise de conscience a récemment émergé au sein de la population française, autant que dans l'esprit des responsables politiques du monde entier. La biodiversité est en danger, il est urgent de la sauver. Le gouvernement a fait de sa sauvegarde une priorité et nous l'avons traduit en actes. La Première ministre a annoncé un fonds vert porté par la donc de 2 milliards d'euros, qui fera la part belle à la biodiversité, avec 150 millions d'euros qui seront fléchés uniquement vers sa protection. Nous avons classé sous protection 30% de notre territoire terrestre et marin, et nous travaillons à renforcer encore la protection de 10% de notre territoire. Et nous avons porté à la COP15, avec les membres de l'Union européenne, une ambition inégalée en faveur de la biodiversité. Ce combat a porté ses fruits et nous avons obtenu des engagements historiques de la part de l'ensemble des pays. Ce texte sera donc une victoire supplémentaire pour la biodiversité. Cette préservation de la biodiversité, c'est la boussole qui a guidé ce travail transpartisan. Il a aussi permis de réunir toutes les parties prenantes, des chasseurs aux usagers de la nature, autour d'une ambition commune. Car ces dernières années, la pratique de l'engrillagement n'a cessé de croître et nous savons que son impact est néfaste pour notre environnement. En votant en faveur de ce texte, vous permettrez notamment la reconstitution des continuités écologiques pour que les espèces animales et végétales puissent assurer leur cycle de vie. En votant en faveur de ce texte,
Vous mettez fin à plus de 3000 km de grillage qui ont dévasté les paysages de notre Sologne et dénaturé des pans entiers de nos bois et de nos forêts dans de très nombreux départements. En votant en faveur de ce texte, enfin, vous redonnez à nos pompiers les moyens d'assurer la sécurité et la prévention de nos forêts. Vous l'avez d'ailleurs soulevé en commission. La semaine dernière, ces grillages entravent le passage et l'action de nos soldats du feu. Projetons-nous quelques années dans le futur et posons-nous cette question : à quoi ressembleront nos paysages en 2027 ? En 2027, les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme permettront en tout temps la circulation des animaux sauvages. Elles seront posées 30 cm au-dessus de la surface du sol, ne dépasseront pas 1,20 m et ne pourront ni blesser ni constituer des pièges pour les animaux. Dans 4 ans, tout propriétaire concerné aura procédé à la mise en conformité de ces clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Pour autant, certaines clôtures existeront toujours car elles sont nécessaires. Des exceptions sont prévues car il ne s'agit pas de mettre fin aux clôtures qui protègent certaines de nos routes et de nos voies ferrées, ni celles qui participent à la régénération forestière et soutiennent l'activité agricole. Je tiens cependant à rassurer car j'ai entendu vos craintes exprimées en commission la semaine dernière. Ces exceptions n'ont pas vocation à vider la loi de sa substance. Je serai extrêmement vigilante, notamment lors de la rédaction des décrets, à ce qu'elles ne soient pas utilisées lorsque cela n'est pas pertinent. Cette loi, elle s'est construite chambre après chambre, commission après commission, débat après débat. Car vous êtes nombreux à avoir déposé des amendements qui ont tous concouru au texte d'aujourd'hui. Lors du dernier examen du texte au Sénat, l'article 5 a été modifié après une concertation nourrie et adopté à une voix près à l'unanimité. C'est, je crois, le symbole d'une réussite collective et d'un accord total. Ce consensus, il n'aurait jamais pu être trouvé sans le travail conséquent du sénateur Jean-Noël Cardoux à l'initiative du texte, du sénateur Laurent Saumon et du député Richard Ramos, ainsi que bien d'autres députés qui se sont aussi investis sur le sujet. Je tiens à les remercier très sincèrement pour ce dialogue constant et cette recherche permanente du consensus. Vous avez fait honneur au travail parlementaire et pour l'élu que je suis, c'est une grande satisfaction. Je peux vous assurer que le gouvernement veillera à l'application stricte de cette nouvelle loi dans nos territoires. Je veillerai au respect de l'esprit que vous, parlementaires, lui avez donné. Je compte aussi sur vous pour participer à la construction du dialogue qui devra débuter très prochainement avec les acteurs de terrain, les propriétaires comme les élus, les fédérations départementales des chasseurs et les associations écologiques. Je suis persuadée que cette proposition de loi sera une contribution réellement significative en faveur de la biodiversité. La protéger doit devenir notre priorité à tous. Je continuerai de porter ce message en France autant qu'à l'international. C'est le sens de mon engagement au sein du gouvernement et cette proposition de loi est une réponse à la hauteur de l'enjeu. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Richard Ramos, rapporteur de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Mes chers collègues, je m'en réjouis. C'est un travail consensuel qu'ont élaboré les députés. Ce travail réalisé avec l'ensemble des groupes politiques, mais également avec nos collègues sénateurs, évidemment avec Madame la Ministre et ses services. Ensemble, nous nous sommes accordés sur un texte juste permettant l'équilibre entre la libre circulation des animaux sauvages et le respect de la propriété privée. Je remercie tous mes collègues de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, et notamment son président, Jean-Marc Zoulézy.
ainsi que tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette loi dans l'ensemble, et je le rappelle, de tous les groupes politiques. C'est ça le travail parlementaire dans l'intérêt de nos territoires. Je tiens à souligner l'excellent travail de notre collègue sénateur Jean-Noël Cardoux, auteur initial de la proposition de loi et très impliqué sur les sujets de la nature. Je le remercie pour son implication et nos échanges constructifs, parfois vifs, mais je le remercie bien évidemment. Je remercie également notre collègue sénateur Laurent Saumon, rapporteur de ce texte durant les deux lectures. Je vous remercie également, Madame la Ministre, ainsi que vos équipes, pour le travail effectué à nos côtés. Bien évidemment, je remercie les associations qui œuvrent depuis des années sans relâche sur la question du désengrillagement. Là aussi, le travail parlementaire, c'est aussi la reconnaissance de ces milliers de bénévoles qui essaient de travailler pour le bien commun. Mes chers collègues, en première lecture, nous avions adopté différentes mesures permettant de consolider le texte. Nous avions établi que toute nouvelle clôture, ainsi que celle érigée depuis moins de 20 ans, doivent se mettre en conformité avec les mesures établies par la présente loi. Nous avions précisé les exceptions. S'agissant de certaines clôtures, comme celles entourant les parcelles agricoles, celles revêtant un caractère historique et patrimonial, ou encore celles liées à la sécurité routière. Je le dis pour ceux qui voudraient aller au tribunal demain, l'esprit de la loi, c'est qu'on retire ces clôtures. C'en est l'esprit de la loi le reste n'est que exception. La règle est donc simple, c'est l'interdiction, c'est son esprit, c'est l'esprit de la loi. Elle devrait être respectée, malgré certains qui tenteront dans les tribunaux, je ne le doute pas, de la contourner. Les clôtures qui ne sont pas conformes aux nouvelles règles ne pourront donc pas être posées ou maintenues. Les exceptions citées plus haut devront, comme l'a dit Madame la Ministre, être autorisées uniquement par l'administration. Nous avions accru les pouvoirs de contrôle des agents du développement assermenté des fédérations départementales de chasseurs. Nous avions abaissé le niveau de la contravention de la 5e classe à la 4e classe. Nous le devions également à notre collègue écologique pour la pénétration non autorisée dans une propriété privée dont les limites devront être matérialisées. En effet, établir une convention de 5e classe nous paraissait trop sévère pour nos concitoyens et notamment pour nos promeneurs. Nous avions réservé l'utilisation du fonds de biodiversité pour le retrait des clôtures à leur remplacement par des bénéfiques à la biodiversité. De retour à l'Assemblée nationale, après une deuxième lecture au Sénat, le texte a été examiné en commission du développement durable le 18 janvier, cette fois-ci selon la procédure législative en commission dite PLEC. L'article 5 sur l'agrainage et l'affouragement était le seul restant encore en discussion. Aucun amendement n'a été déposé, il a donc été adopté et en est resté conforme à la version du Sénat. Voté à la quasi-unanimité, ce texte, mes chers collègues, nous permet de réaffirmer une ultime fois combien la libre circulation des animaux sauvages est importante et qu'il nous faut la garantir partout en France. Ce fléau de l'engrillagement, combien de fois a-t-il été évoqué dans nos murs ou sur nos territoires ? Nous en parlions depuis si longtemps. Ici, dans les territoires touchés, en particulier dans la Sologne, on a même créé pour la Sologne un terme spécifique, à savoir la solonisation. Plusieurs propositions de loi avaient été déposées au cours de ces années pour tenter d'enrayer le phénomène, notamment celle du député Cormier-Bouligeon. Emprisonner la nature, contraindre les animaux sauvages en les empêchant de pouvoir circuler librement d'une parcelle à l'autre, voilà l'un des aspects néfastes de l'engrillagement. Et nous pourrions également évoquer les difficultés d'accès à ces territoires lors d'incendies où nos pompiers peuvent atteindre le feu, ou encore les problèmes d'attractivité touristique de ces secteurs véritablement enlaidis par les grillages. Alors, pourquoi ériger de tels grillages de 2 mètres de haut et les enfoncer dans le sol ? Pour protéger la propriété privée ? Certainement. Mais pour quelques-uns, ne nous cachons pas, ne serait-ce pas plutôt pour pratiquer un baltrap vivant, contraire même à l'esprit de la chasse. Mes chers collègues, n'emprisonnons pas nos animaux, laissez-nous courir librement dans nos forêts. Dans un monde souvent trop urbanisé, protégeons nos espaces sauvages, nos forêts, lieux où les animaux sont rois. Libérons nos paysages, libérons ces barrières, comme l'écrit si bien, et pour une fois je ne citerai pas notre écrivain rentré au Panthéon, je citerai
Jean-Pierre Fleury, réalisateur, mais également écrivain, dans mes chemins buissonniers. Mon bois n'a guère de frontières, ses chemins n'ont pas de clôture, pas de barrière, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ils vont dans les endroits magnifiques, et si l'on en a envie, on peut y côtoyer des fées et des êtres largement authentiques, hautement vraisemblables, qui vécurent et se reproduirent en des lieux et en des temps, parfois différents, souvent bien éparpillés. Les chemins de Hallier qui me conduisent sont difficiles à trouver. C'est souvent un labyrinthe de la liberté. Si vous voulez, vous aussi, vous y promener, vous devrez vous y promener dans un itinéraire particulier, l'itinéraire de vous-même, de vos souvenirs, de vos tripes et dans vos cœurs. Mes chers collègues, cessons de maltraiter nos animaux sauvages, nos milieux naturels, nos forêts, nos cours d'eau, toute notre biodiversité. Dans ce monde trop artificiel que nous avons créé, reprenons les choses en main et faisons tout pour qu'à nouveau de belles natures s'épanouissent avec nos animaux. La présente proposition de loi y est le principe. Enlevons ces grillages laids dans lesquels s'éventrent nos animaux pour les laisser à nouveau se déplacer sans entrave, sans contrainte. Vive la nature et vive la liberté. Je vous remercie. Nous passons aux explications de vote. La parole est à Madame Bellouco du groupe écologiste. Il y a un problème là sur l'affichage. Voilà. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Le sujet dont nous parlons aujourd'hui, l'engrillagement des espaces naturels, permet d'aborder l'une des principales causes de l'effondrement de la biodiversité. J'entends par là la fragmentation des habitats. Plus les habitats sont morcelés, moins les espèces sont en capacité de maintenir leur population. La discussion de ce texte nous permet de mettre la biodiversité au cœur des débats pendant quelques heures, et je trouve que c'est à saluer. Alors ça sera plutôt quelques minutes, vu qu'on est en procédure de législation en commission. En première lecture, ce texte sur l'engrillagement a pu être amélioré, avec par exemple la date à partir de laquelle les clôtures sont concernées par la disposition du texte qui a été avancée, ou encore les dispositions du texte qui s'applique également aux réparations des clôtures existantes, même si celles-ci sont antérieures à la date d'application. Et puis le texte, c'est une modification sémantique, mais qui a son importance, prend en compte la faune sauvage et non plus uniquement le gibier. Toutefois, nous sommes restés sur notre faim sur certains sujets. Bien que ce ne soit pas indiqué très explicitement, nous savons toutes et tous ici que ce texte s'attaque indirectement à la pratique barbare de la chasse en enclos. Nous aurions apprécié qu'il soit plus direct et interdise purement et simplement cette pratique d'un autre temps. Cette activité draine des sommes d'argent importantes pour le plaisir de riches industriels, de rentiers, d'aristocrates de tout poil. Dans le moindre enclos bas de gamme, le droit d'abattre un sanglier se monnaie aux alentours de 300 euros. Les prix s'envolent quand il s'agit d'abattre un individu d'une espèce exotique et certains sont prêts à payer jusqu'à 4000 euros pour avoir la possibilité d'abattre un grand cerf à demi apprivoisé car issu de l'élevage et qui n'a aucune chance de s'échapper. Donc à celles et ceux qui avanceraient l'argument de la chasse comme activité populaire, je leur réponds d'avance que cette chasse-là n'a absolument rien à voir avec le droit à chasser obtenu par le peuple à la Révolution française. Cette chasse-là est la chasse des classes méprisantes et destructrices, les mêmes qui sont à l'origine de l'exploitation des femmes et des hommes et de la destruction de la planète. Mais ce texte répond aussi à une demande des autres chasseurs, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un carnage sur animaux enfermés, ceux qui sont, dans certaines régions, privés de chasse à cause de l'engrillagement à outrance de toutes les forêts. Même si le texte n'évoque pas directement la chasse, elle est en fait présente dans chacun de ces articles. Je voudrais revenir sur un article en particulier qui me semble particulièrement injuste et auquel je m'étais déjà opposée en première lecture. L'article 2 instaure la possibilité de sanctionner d'une contravention de quatrième classe, toute personne qui s'introduirait dans une propriété privée rurale ou forestière, sauf dans les cas où la loi le permet. Au premier abord, cette mesure semble être frappée au coin du bon sens. Chers collègues, si vous n'approfondissez pas le sujet, vous serez certainement convaincus que l'obligation de déclôturer certains terrains doit obligatoirement s'accompagner d'une protection renforcée de la propriété privée. Il s'avère pourtant que cette disposition pose deux problèmes majeurs. Premièrement, elle risque en fait de limiter très fortement l'accès de toutes et tous à la nature. En effet, 75% des forêts françaises sont privées.
La disposition introduite par ce texte permettrait donc, par l'installation d'une simple limite physique, sans que cette notion soit définie dans le texte, d'interdire à quiconque de s'y promener. Je réitère donc ici l'appel que j'avais formulé en commission d'engager des états généraux des usages de la nature pour discuter de l'accès et du partage de la nature entre toutes et tous. Deuxièmement, ce que nous n'avions pas identifié en première lecture, c'est que cette disposition instaure une inégalité face à la loi entre chasseurs et non-chasseurs. En effet, les chasseurs ont le droit de pénétrer dans quasiment toutes les propriétés sans jamais être inquiétés du moment qu'ils poursuivent un animal mortellement blessé. Avec le texte que nous allons vraisemblablement voter aujourd'hui, nous actons le fait qu'un naturaliste qui pénétrerait intentionnellement dans une propriété rurale ou forestière privée, dans le but, par exemple, de compter les individus d'une espèce qu'il étudie, a toutes les chances de se voir verbaliser d'une amende dont le montant peut s'élever à 750 euros. Alors même qu'il n'aurait commis aucun dégât. Tandis qu'un chasseur qui pénètre dans une propriété privée, rurale ou forestière, en coupant au passage les fils de clôture, pour une clôture électrique par exemple, expérience de cavalière, donc qui s'introduirait dans une propriété privée, rurale ou forestière en coupant au passage les fils de clôture pour traquer un animal agonisant et sans défense autre que la fuite, ne se verra jamais inquiété par la moindre amende. Cette situation conduit mon groupe à revoir sa position de vote. Ce texte actant tout de même quelques avancées pour la biodiversité et la faune sauvage, le groupe écologiste s'abstiendra. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Castellani du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, longtemps la biodiversité était un angle mort de l'écologie et de nos politiques publiques, même si aujourd'hui nous faisons face à un lent éveil avec une meilleure prise en compte de ces enjeux, on peut dire que la route reste encore longue. La proposition de loi que nous avons adoptée est un pas supplémentaire vers la préservation de notre patrimoine environnemental. Et le groupe auquel j'appartiens s'en réjouit. Cela a été dit à plusieurs reprises lors de nos débats. Certains territoires voient les grillages et les barrières se multiplier. C'est une tendance aux nombreuses externalités négatives qu'il était nécessaire de corriger. Contrairement à ce qui peut parfois être allégué, le droit de se clore n'est pas absolu. Et dans une logique de préserver le bien commun qu'est la nature, il est normal d'en limiter intelligemment la portée. Par l'adoption de ce texte, nous ne remettons pas ici en cause le droit de clore sa propriété et nous ne cherchons pas non plus à diviser la population entre chasseurs et non-chasseurs. Nous ne poursuivons à travers ce texte qu'un seul but, celui de préserver du mieux possible la biodiversité et le droit de chacun à profiter de la nature sans obstacle indu. Sans notre action, nous le savons, les promeneurs continueront de se voir refuser l'accès à bon nombre d'espaces et regretteront de voir les paysages déformés et perdre peu à peu leur caractère naturel. La question de l'accessibilité de ces espaces naturels ne concerne pas que les promeneurs, mais aussi les forces de sécurité et en premier lieu les pompiers. Nous l'avons constaté à grand regret l'été dernier, la France est de plus en plus exposée aux conséquences du dérèglement climatique et doit à ce titre faire face à des feux toujours plus grands et toujours plus dévastateurs. En aucun cas, nous ne pouvons plus nous permettre de fermer les yeux sur les risques que représentent des espaces naturels morcelés et barricadés. En poursuivant l'objectif de faciliter le travail des femmes et des hommes qui nous secourent, ce texte vient aussi renforcer notre sécurité au quotidien. Au-delà des questions de l'accessibilité des espaces, l'objet de cette proposition de loi est de s'assurer que l'objectif de continuité écologique soit garanti ou rétabli. En limitant la hauteur des clôtures, elle permet que ces dernières soient franchissables par le gibier. En effet, nous l'avons rappelé à maintes reprises, les premières victimes sont les animaux qui se blessent en tentant de franchir les enclos. Nous l'avons encore affirmé à cette même tribune récemment. Notre devoir est de respecter la vie animale et d'en comprendre les contraintes et les difficultés. Là est la priorité. Et de plus, en réclamant que les dites clôtures soient en matériaux naturels ou traditionnels, cette PPL garantit une certaine préservation de la beauté des paysages. À ce titre, mon groupe accueille très favorablement
la possibilité d'utiliser le fonds biodiversité pour remplacer des clôtures par des haies, cette disposition nous semble s'inscrire dans une logique de long terme qui va dans le bon sens. De plus, cela favorisera l'acceptabilité de la mesure et concourra à l'objectif fixé par le programme Plantons des haies. À ce sujet, nous nous félicitons que le Sénat ait conservé le dispositif tel qu'il impose de nouvelles normes pour les barrières construites à partir de la date de 1992, qui était un compromis trouvé à l'Assemblée nationale. Plus globalement, nous nous réjouissons que nos collègues sénateurs aient maintenu l'intégralité des apports de notre Assemblée. Cela prouve notre capacité à avancer collectivement sur des sujets qui sont chers à l'immense majorité de nos concitoyens. La mise en valeur de la beauté de nos territoires et la défense de leur biodiversité. Je conclurai par une remarque concernant l'article 5, qui est le seul à ne pas avoir été adopté conforme. Nous soutenons l'ajustement des sénateurs qui définit clairement les espaces étanches dans lesquels l'engrenage est interdit. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, c'est pour l'ensemble de ces actions que notre groupe a voté en faveur de cette proposition de loi et, à l'exception notable de notre collègue Guy Bricout, se réjouit de son adoption. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Cormier-Bouligeon du groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur et vous tous, mes chers collègues. Nous voici donc au terme d'un travail engagé au début de la précédente législature, au moment où les associations locales sont venues nous demander notre soutien pour lutter contre l'engrillagement de la Sologne. Les Amis des Chemins de Sologne étaient venus nous voir avec prudence, car jusque-là, aucun parlementaire n'avait accepté de s'engager pour cette juste cause. Personne ne pensait qu'un député oserait s'opposer un jour aux grands propriétaires soloniaux engrillageurs. Nous étions les David face aux Goliath. Mais 5 années plus tard, quelles avancées ! Nous nous sommes engagés, nous avons observé, expertisé, auditionné, concerté, rassemblé et mobilisé aussi bien les chasseurs que les non-chasseurs, les promeneurs contemplatifs que les sportifs, les élus locaux et nationaux. Puis nous avons légiféré au Sénat et à l'Assemblée nationale sur la base de la proposition de loi de notre collègue sénateur Jean-Noël Cardoux, qu'il convient de saluer comme notre rapporteur Richard Ramos, dont le soutien a été bien utile. Les résultats sont là. Retenons 2 mesures importantes. Premièrement, d'ici au 1er janvier 2027, les grandes clôtures de 2 mètres de haut en fil de fer et barbelés érigées depuis 1993 devront avoir été retirées. Et si elles sont remplacées, elles devront l'être par des clôtures en matériaux naturels posées à 30 cm au-dessus du sol et d'une hauteur limitée à 1,20 m, de façon à pouvoir certes marquer les limites de la propriété, mais aussi et surtout à laisser passer les animaux petits et grands qui retrouveront ainsi leur liberté comme il convient dans la nature en ce qui concerne les animaux sauvages. Deuxièmement, l'effacement de ces grandes clôtures devra être précédé par la mise en œuvre d'actions qui permettront le respect de l'état sanitaire, des équilibres écologiques et des activités agricoles et forestières du territoire. Il n'est en effet pas question de remettre en liberté ces dizaines de milliers de sangliers, de chevreuils, biches et cerfs, non seulement parce que nous en avons déjà trop, mais aussi parce que nous ne voulons pas mettre en contact des animaux sauvages libres, des animaux consanguins et des espèces exotiques. Et si ce texte recueille un très large soutien, c'est parce que nous avons su collectivement travailler à trouver un équilibre entre le respect de la nature et le respect du droit de propriété. Mais une fois la loi votée, il restera encore à la faire appliquer. Nous y veillerons. Nous porterons une attention particulière à 2 points, Madame la Ministre, pour le décret d'application. D'une part, le droit de suite pour l'activité de chasse qui doit être confirmé et donc n'être pas concerné par la contravention que nous créons contre les intrusions. D'autre part, la question des clôtures le long des routes.
Vous vous êtes exprimée dans votre discours au préalable. Je souhaite que vous soyez très claire, Madame la Ministre, en affirmant que l'amendement voté au Parlement concerne uniquement les routes proches des domaines relatifs à la défense nationale et nulle autre route. Quant à nous, mes chers collègues, avec le vote de cette loi, nous gagnons la satisfaction du respect de la parole donnée et l'espoir que nos concitoyens auront compris que les élus de la nation savent s'extraire des polémiques vaines et se rassembler pour construire des solutions conformes à l'intérêt général et au bien commun. Pour ma part, je n'y aurais pas gagné que cela. Je veux le dire ici, debout, à la tribune de l'Assemblée nationale, car c'est ici que j'ai décidé de rendre publique cette information aujourd'hui. J'aurais aussi gagné dans ce combat une mise en examen. Oui, vous entendez bien, une mise en examen en raison d'une plainte portée contre moi par l'un des engrillageurs. Je rejoins ainsi le glorieux cortège composé de Marie et Raymond Louis des Amis des Chemins de Sologne, François Bonneau, président de la région Centre-Val-de-Loire, Nicolas Vanier, explorateur, réalisateur de cinéma, Émilie Rancien et Frédéric Rose, journaliste au Petit Sologneau, Michael Texier, journaliste à TV Tours, Hugo Clément, journaliste, et donc à mon tour député de la République, d'être mis en examen. Mais mes chers collègues, de quoi serions-nous au juste coupables dans cette affaire ? Serions-nous coupables d'aimer passionnément notre territoire, notre nature et notre Sologne ? Serions-nous coupables de vouloir protéger la biodiversité et le bien-être animal ? Serions-nous coupables d'être convaincus que notre nature peut être vécue non pas en opposition, en confrontation, mais en partage ? Oui, en partage entre tous ceux qui l'aiment et quelle que soit l'activité qu'ils pratiquent. Et au final, serions-nous coupables de dire tout cela publiquement, en liberté, et serions-nous coupables de vouloir faire changer la loi ? Serions-nous coupables de vouloir faire primer l'intérêt général sur des intérêts particuliers excessifs ? Voilà ce dont nous serions coupables. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Présidente, encore 20 secondes. Mais non, monsieur le député, il faut vraiment terminer là. Je termine. Eh bien, je vais vous faire une confidence de tout cela. Nous sommes immensément fiers. Mes chers collègues, en votant cette présente loi, vous ferez les avocats de la Sologne, de la forêt française et de tous ceux qui défendent notre nature comme nous la défendons. C'est pourquoi, mes chers collègues, j'ai le grand honneur de vous demander de voter, comme le fera le groupe Renaissance, en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Sur le vote de la proposition de loi, je suis saisie par le groupe Renaissance, le groupe Démocrate et le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Paris du groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. En octobre dernier, notre Assemblée a adopté la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Très attendue en Sologne, ce texte permettra de protéger la faune et de préserver nos paysages tout en facilitant l'intervention des pompiers en cas d'incendie. Notre groupe se félicite des avancées obtenues tout au long des débats, notamment l'élargissement du dispositif édifié depuis 30 ans au sein d'un espace naturel, évolution obtenue grâce à l'adoption d'un amendement de notre groupe lors des débats en commission. Lors des échanges au Sénat, à l'occasion de la navette parlementaire, les sénateurs ont confirmé ces avancées, conscients de la nécessité de légiférer urgemment sur le sujet. En effet, le désengrillagement des espaces naturels est un sujet ancien, porté de longue date par des associations telles que les Amis des Chemins de Sologne qui sont présents aujourd'hui avec nous, comme ils l'ont été tout au long des débats sur ce texte. Je tiens à remercier l'auteur de cette proposition de loi, M. le sénateur Jean-Noël Cardoux, ainsi que M. le rapporteur Richard Ramos, qui se sont saisis de ce sujet dans un esprit constructif et transpartisan. Grâce au travail parlementaire, ce texte aboutit à une conciliation satisfaisante entre, d'une part, la protection de la faune, la préservation de nos paysages, la sécurité incendie et, d'autre part, la protection du droit de propriété. En effet,
Il ne s'agit pas de diviser les propriétaires, les promoteurs, les chasseurs, les promeneurs, mais de rassembler tous les amoureux de la nature autour d'un texte de bon sens. Néanmoins, comme nous l'avons indiqué lors des débats en commission, différents acteurs associatifs ont exprimé leurs craintes quant au champ de l'exception au dispositif lié à la sécurité publique, notamment routière, et aux régénérations forestières. Les propos de Madame la Ministre tout à l'heure ont confirmé qu'il y aura effectivement une vigilance quant à l'application réelle de ces exceptions. Si nous comprenons la pertinence de ces dérogations, nous espérons que leur champ d'application sera effectivement strictement cantonné afin que la loi puisse obtenir pleinement les effets attendus et d'éviter demain sur le terrain la multiplication de dérogations qui ne seraient pas conformes à l'esprit du dispositif. Nous l'avons rappelé, cette proposition de loi répond à une urgence exprimée depuis longtemps par les différents acteurs et il nous semble indispensable de veiller à ce qu'elle soit appliquée rapidement et de manière effective. Nous veillerons donc à ce que les décrets d'application soient pris rapidement et à ce que le dispositif soit ensuite pleinement appliqué sur le terrain, notamment aux Sologne. Et nous craignons évidemment les recours contentieux nombreux, mais nous faisons confiance dans le traitement qu'ils recevront. Parce que cette proposition de loi est extrêmement attendue des associations, des chasseurs et des riverains, j'espère que nous serons une majorité à nous retrouver autour de ce texte consensuel qui avait recueilli l'unanimité en première lecture. Je regrette que ce ne soit pas le cas visiblement lors de cette seconde lecture. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Meunier du groupe La France Insoumise. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. La première fois que j'ai pris la parole sur cette même tribune devant vous, chers collègues, au début de notre législature, c'était pour alerter. J'alertais en effet sur ce qui me semblait être un des intérêts graves du gouvernement pour une cause qui détermine pourtant l'avenir de nos concitoyens, puisqu'elle détermine l'avenir de notre planète. Je parle de la préservation de la biodiversité du vivant. Je rappelais alors à quel point nous sommes dépendants de cette biodiversité, à travers les pollinisateurs, premiers alliés de nos paysans, à travers l'océan et son monde vivant qui fournissent une bouffée d'oxygène sur deux de l'air que nous respirons. Je rappelais également notre bilan, 1 million d'espèces menacées de disparition sur les années à venir. Et je rappelais en parallèle que le gouvernement n'investissait que 300 millions d'euros dans son projet de loi des finances pour cette cause, c'est-à-dire du point de vue du budget global de l'État, rien, les miettes. Alors j'aimerais aujourd'hui vous dire que tout a changé, que la COP15 pour la biodiversité qui a eu lieu en décembre dernier à Montréal a donné une révélation à Monsieur Béchu, notre ministre de l'écologie. J'aimerais vous dire qu'il en est revenu homme changé et déterminé à investir massivement pour le vivant. Malheureusement, il n'en est rien. Et pire que cela, des ONG nous ont alertés sur le rôle néfaste qu'aurait eu la France dans les négociations de la COP15, notamment pour couvrir la pêche intensive industrielle. Nous attendons toujours des réponses de M. Béchu suite à ces accusations. Alors, puisque le gouvernement n'amène pas le sujet de la biodiversité sur la table, je me réjouis que le sujet soit au moins pris en main par les membres de la Commission Développement Durable, notamment à travers l'examen de cette proposition de loi sur le désengrillagement de nos espaces naturels. Et c'est avec un sentiment partagé que je me présente devant vous aujourd'hui. Car d'une part, il semble que cette proposition de loi aille dans le bon sens. Le cœur de cette proposition de loi va dans le bon sens, désengrillager nos forêts et nos paysages. Ça va dans le bon sens car la discontinuité des milieux, c'est-à-dire le fait de fragmenter nos paysages par des routes, des barrages ou encore des grillages, cela empêche les animaux de circuler librement et c'est l'une des causes importantes, scientifiquement reconnues, du déclin de la biodiversité. Ça va dans le bon sens également car la chasse en enclos, qui souvent se cache derrière ces grillages, a été dénoncée en chœur sur la plupart de ces bancs pour ce qu'elle est, une pratique cruelle qui ne laisse aucune possibilité de fuite à l'animal et crée énormément de stress. Désengrillager, c'est ainsi permettre de rendre une partie de l'espace à la nature et notamment à la faune sauvage. C'est aussi libérer visuellement nos paysages, s'étendre finalement vers l'idée d'un paysage comme bien commun.
Et c'est là que le bât blesse. Car comme en opposition à ce principe vient l'article 2 de cette proposition de loi. Cet article 2 prévoit la mise en place d'une contravention de niveau 4 pour toute intrusion sur une parcelle forestière privée. Alors oui, le chasseur, qui possède un droit spécifique de circulation, ne sera pas concerné par cette contravention. Mais c'est le seul usager de la nature qui en sera exempt. Est-ce bien là le message que nous souhaitons envoyer ? Car il y a d'abord les promeneurs, qui traversent la forêt sans y causer de dégâts, et bien loin de penser à mal, parfois d'un chemin de randonnée à un autre, un raccourci se dessine à travers la forêt, sur un petit sentier, traversant peut-être des parcelles privées, oui, le parcellaire forestier français étant si complexe. C'est sans aucune volonté de nuire que ce sentier sera emprunté par les promeneurs, et c'est chose courante dans nos campagnes. Cette contravention que la NUPES dénonce depuis le départ est injustifiée. Souhaitons-nous vraiment, vraiment envoyer à ces promeneurs le message que la nature est chasse gardée ? Souhaitons-nous vraiment tendre vers une privatisation punitive de l'espace naturel ? Et puis, il y a également ces usagers de la nature, souvent méconnus, en tout cas non considérés à leur juste valeur par notre gouvernement. Il s'agit des bénévoles, des associations de protection de la nature. Si nous sommes un certain nombre dans ce Parlement à reconnaître l'importance de la protection de la biodiversité, alors il nous faut reconnaître leur rôle. S'il est aujourd'hui possible d'avoir accès à la répartition des espèces animales et végétales de notre pays, c'est parce que ces bénévoles et ces associations jouent depuis des dizaines d'années un rôle essentiel de recensement des espèces sauvages. Ce sont ces naturalistes passionnés qui vont sur le terrain, savent déterminer la présence d'un oiseau au champ, reconnaître un mammifère à son empreinte, identifier la ponte d'une libellule dans une écorce d'arbre. Ce sont eux qui sont à l'origine des atlas régionaux de répartition des espèces. Ce sont eux qui observent le déclin de notre biodiversité, qui alertent sur les dommages causés à l'environnement. Et la forêt, c'est leur lieu de prospection. Le libre accès à la nature, c'est la seule chose dont ils ont besoin. Mais eux n'ont pas de statut particulier. Et eux ne seront pas exempts de contraventions. Est-ce bien là le message que nous souhaitons envoyer à ces premiers protecteurs de la biodiversité ? C'est ainsi partagé entre la perspective positive et nécessaire du désengrillagement et le rejet de cette contravention et du message qu'elle porte que notre groupe s'abstiendra sur cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Vatin du groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en octobre dernier, l'Assemblée nationale adoptait en première lecture une proposition de loi visant à lutter contre l'engrillagement des espaces naturels sous l'impulsion de notre collègue Richard Ramos. Nous ne sommes pas hostiles à ce texte, d'autant qu'il a initialement été rédigé par deux sénateurs Les Républicains, Jean-Noël Cardoux et Laurent Saumon, que nous tenons à remercier ici pour leur remarquable travail. Cette proposition de loi a d'autant plus de mérite qu'elle est un texte d'équilibre dans un débat qui en manque tant. Je pense ainsi aux récentes annonces du gouvernement sur la sécurité à la chasse, qui, une fois de plus, a été l'occasion de pointer du doigt les chasseurs, hélas, et de donner libre cours au discours extrémiste et haineux du lobby anti-chasse. La chasse est l'une des activités de loisirs les mieux régulées et les plus surveillées en termes de sécurité dans notre pays. À côté des plans de gestion qui permettent un exercice raisonné de la pratique, chaque chasseur est formé à des consignes de sécurité exigeantes lors du passage de son permis. Les sanctions prévues en cas de manquement sont sévères. Les contrôles des agents de l'OFB sont fréquents, et c'est très bien ainsi. Il est fréquent d'ailleurs que ce soit des chasseurs eux-mêmes qui sanctionnent ceux d'entre eux qui ne respectent pas les règles en les excluant des sociétés de chasse. C'est pourquoi le débat sur un jour sans chasse le dimanche est d'autant plus ridicule et insultant. Il est le fruit d'une véritable guérilla contre les chasseurs, qui ignore tout de la capacité des Français à partager intelligemment la nature, à entretenir des relations de bon voisinage, à dialoguer et à se faire confiance. Plus grave, cette offensive militante est une véritable négation de l'art de vivre à la française, qui participe d'une volonté de faire table rase du passé qui sévit jusque sur la corrida et le déboulonnage des statues. Un projet de privation de nos libertés, incapable pour autant de proposer un monde plus agréable à vivre. Non, interdire définitivement la chasse n'est ni possible, ni souhaitable. Sans chasse, vous n'auriez plus de régulation de la faune sauvage, plus de contrôle du développement des espèces. Sans chasse, vous auriez un jour les loups à Paris. Et si on interdit la chasse le dimanche, ira-t-on jusqu'à interdire aux cavaliers ou aux vététistes de se balader en forêt le samedi ? Ira-t-on jusqu'à inventer un calendrier
ou à chaque jour correspond son activité. Non, les chasseurs ne sont pas les ennemis de la nature. Ils en sont même les premiers défenseurs, toujours soucieux de respecter le gibier et l'équilibre biologique des espèces. Ce sont les premiers écologistes de ce pays, exactement. C'est pourquoi les chasseurs eux-mêmes sont favorables à cette proposition de loi que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui. Ce texte instaure une obligation d'ici 2027 de remplacer les clôtures construites depuis 30 ans autour des propriétés privées situées au sein d'espaces naturels et qui empêchent le passage de la faune sauvage. La pratique de l'engrillagement, très développée notamment en Sologne, n'était plus acceptée localement, y compris par les amoureux de la chasse eux-mêmes. Cette proposition de loi a d'ailleurs à chaque fois fait l'objet d'un vote à l'unanimité des groupes politiques, en séance, au Sénat, comme à l'Assemblée nationale. Il n'a vocation ni à favoriser, ni à punir personne. Ce n'est pas un texte contre les propriétaires, puisqu'il renforce le respect du droit de propriété et les sanctions contre les intrusions de visiteurs indélicats. Ce n'est pas non plus un texte contre les chasseurs, et je remercie les élus de cet hémicycle qui ont fait preuve d'esprit constructif et n'ont pas profité pour faire de ce texte une tribune anti-chasse. Il restait à valider l'article 5 qui avait fait l'objet dans notre enceinte d'un amendement prétendument rédactionnel, empêchant l'adoption conforme du texte au Sénat. La nouvelle rédaction prévoit un examen au cas par cas des autorisations d'agrainage et d'affouragement qui permettra de respecter les intérêts et contraintes de chacun, notamment les chasses commerciales dans les petites communes rurales qui sont parfois la dernière activité économique encore debout pour faire vivre le tissu local. Il est donc temps de clore ce débat sur les enclos et de laisser vivre ce texte. Le groupe Les Républicains votera donc en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Haute du groupe démocrate. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En préambule, je rappelle que cette proposition de loi, née au Sénat sous l'impulsion de Jean-Noël Cardoux, a été amenée à l'Assemblée nationale, d'abord pour les discussions préalables en commission, pour être présentée ensuite lors de la niche du Modem le 6 octobre dernier à l'initiative de Richard Ramos. Aujourd'hui, nous en sommes, après retour de la navette parlementaire du Sénat, à sa deuxième lecture. Mis à part une modification dans l'article 5, le Sénat a confirmé la teneur de notre travail. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Il découle naturellement de l'esprit qui a prévalu lors des différentes étapes de nos discussions, à savoir la volonté largement partagée, transpartisane, de produire une synthèse consensuelle, mais néanmoins déterminée, pour qu'au final, le texte et l'esprit du texte soient bel et bien réunis. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'en matière de protection de la nature, la garantie d'une préservation, dans un esprit de concorde, ici celle de la biodiversité comme celle du patrimoine forestier, n'est jamais acquise d'avance. Aussi pour ce sujet, que ce soit en commission ou en assemblée plénière, je constate que la grande pluralité politique de notre législature non seulement n'a pas été un obstacle, mais s'est révélée être un atout. Elle a permis un aboutissement enrichi, équilibré, qui atteint l'objectif initial. Je réitère ainsi mes remerciements à l'ensemble des groupes parlementaires pour la volonté partagée de faire aboutir ce texte de loi, car personne n'a perdu de vue que tous ensemble, nous servions mieux l'intérêt général. Le désengrillagement que nous allons élargir à l'ensemble du territoire va indiscutablement contribuer à améliorer la fonctionnalité des écosystèmes, notamment forestiers. La liberté retrouvée pour de nombreux animaux de pouvoir circuler sans obstacle répond évidemment à une aspiration sociétale pour une liberté légitime accordée aux animaux sauvages. Mais surtout, cette liberté permet à ces mêmes animaux d'occuper pleinement la niche écologique qui est la leur, dans un espace dans lequel les activités humaines ne doivent plus introduire de contraintes. En effet, tout ce qui empêche la libre circulation d'une espèce animale entrave la subtile imbrication des relations entre espèces vivantes sur un même territoire. De fait, l'équilibre naturel est fragilisé, ce qui menace la pérennité de l'écosystème tout entier. N'oublions pas, par ailleurs, que la cohabitation des gibiers avec les strates arbustive et arborescente, dans un milieu forestier, où se pratique de plus en plus une sylviculture fondée sur la régénération naturelle spontanée de peuplements faits d'essences mêlées,
nécessite impérativement une liberté de circulation des animaux herbivores à grande échelle. La limitation de leurs déplacements conduit inexorablement à une pression trop forte sur les jeunes pousses d'arbres, ce qui peut compromettre la régénération d'un massif boisé. Cette réalité est d'autant plus vraie aujourd'hui que nous connaissons depuis quelques années des périodes de grande sécheresse, facteurs aggravants affectant inévitablement la santé des arbres et donc leur aptitude à réagir, à se reproduire et en fin de compte à survivre. Il est donc pleinement de notre responsabilité d'avoir conscientisé par le désengrillagement la nécessité de donner une nouvelle chance à nos forêts. Cet effort contribuera à éviter le dangereux affaissement de notre patrimoine vivant. Permettez-moi enfin de mettre l'accent sur une autre dimension que porte de façon sous-jacente ce projet de désengrillagement, celle de la durée de vie d'un arbre, ce qui nous impose en matière de gestion forestière d'intégrer le temps long. L'arbre et son bois que nous finissons par utiliser sont l'œuvre de la nature qui, pour ce faire, a mis des décennies à piéger du carbone. Ainsi, nos forêts recouvrent des vertus multiples. Celle de contribuer fortement à la décarbonation de l'atmosphère tout en l'enrichissant en oxygène, celle d'entraîner une pondération significative des excès climatiques grâce à son grand potentiel d'évapotranspiration, celle ensuite de nous fournir une matière noble et renouvelable, le bois, celle enfin d'incarner de grands espaces d'expression de la biodiversité qui complètent tous les autres milieux que comporte notre environnement naturel ou cultivé. Mais tout cela, ne l'oublions jamais, ne peut exister, ne peut s'accomplir, ne peut durer qu'à la faveur du temps. Il a toujours fallu et il faudra toujours des décennies, voire des siècles, pour constituer des environnements forestiers dignes de ce nom. Alors rappelons-nous simplement que nous avons le devoir d'intégrer ce temps long dans notre manière d'aborder toute richesse naturelle. La vraie valeur découle avant tout du temps. Avec ce texte qui porte le désengrillagement de nos forêts, nous faisons collectivement et fièrement, tous ensemble, un vrai pas dans la direction du respect de la nature. Puisse cette étape nous inspirer pour tous les autres défis que nous aurons à relever ensemble. Je dis bien ensemble, car l'avenir de notre beau pays et de son exceptionnel patrimoine naturel l'exige de nous, surtout si nous voulons inscrire la transition écologique au premier rang de nos priorités, par respect pour nos concitoyens et les générations futures. Je veux rajouter que à mon collègue Cormier-Bouligeon, entièrement à sa disposition pour tout témoignage utile dans sa remise en cause personnelle. Je vous remercie. La parole est à Madame Jourdan du groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes nombreux et nombreuses à constater dans nos territoires le développement souvent incontrôlé de clôtures en milieu naturel, notamment dans le cadre de la création de nouveaux enclos de chasse. Le législateur avait tenté de réguler ce phénomène, notamment en précisant le statut des trames vertes et bleues. Les lois Grenelle 1 et 2, complétées par la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ont sanctuarisé cette approche et introduit l'obligation pour les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels de maintenir la libre circulation de la faune sauvage. Toutefois, nous ne pouvions que constater l'insuffisance de l'arsenal législatif en vigueur. La libre circulation de la faune sauvage est un paramètre essentiel pour la préservation de la biodiversité dans nos territoires. Or, l'impact de ces clôtures sur la circulation de la faune est établi. Elles induisent des entraves à l'alimentation et à la reproduction des espèces. De plus, cette pratique participe à une surfragmentation de l'habitat, notamment en milieu forestier. La mise en conformité alors des clôtures existantes avec le délai raisonnable du 1er janvier 2027 est une bonne chose, ainsi que la possibilité créée par nos collègues sénateurs pour les agences de l'OFB de contrôler les enclos sans se voir opposer la protection du domicile. Aussi, je tiens à saluer l'initiative de Monsieur le rapporteur qui nous permet d'avancer sur la problématique de l'engrillagement des zones naturelles. Cette proposition de loi marque une avancée en faveur de la biodiversité et de la préservation du milieu naturel. Pour cette raison, le groupe socialiste et apparenté maintiendra son vote en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thiébaut du groupe Horizon.
Je veux bien, oui. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette loi visant à limiter l'engagement des espaces naturels à protéger la propriété privée et qui arrive à son terme. Et j'en remercie tout d'abord le Sénat et particulièrement le sénateur Cardoux de nous l'avoir proposé. Je tenais aussi particulièrement et très chaleureusement à remercier le rapporteur Richard Amos pour son travail engagé et ambitieux, et aussi notre collègue François Cormier-Bouligeon, qui a déjà porté ce sujet depuis de nombreuses années, notamment dans la précédente législature. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des collègues, notamment de la Commission du développement durable, qui ont su travailler pleinement ensemble et de manière transpartisane sur ce texte. Comme cela a été dit, vous le savez, de nombreux territoires sont aujourd'hui touchés par le phénomène dramatique de l'engrillagement. Nous évoquons souvent la Sologne, mais ce sont également les Landes, la Picardie ou encore la Normandie qui voient de nombreux propriétaires installer de manière incontrôlée des grillages empêchant la libre circulation des animaux sauvages. En effet, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux en sanctuarisant les différents avantages dont bénéficient les territoires hermétiquement clôturés a également entraîné une dynamique forte d'engrillagement des espaces naturels. Cela a été dit, en Sologne, ce développement a représenté plus de 4000 km de grillage déployés depuis ces dernières années. Or, les conséquences de ces engrillagements sont dramatiques en termes de biodiversité, permettant la circulation de la faune sauvage, puisque pour l'équilibre de la diversité, mais c'est également aussi sur les effets des besoins écologiques et des habitats naturels. Les conséquences ne s'arrêtent pas là. Ce sont celles des promeneurs et qui est la dégradation des paysages. Mais les clôtures entraînent également de graves conséquences en termes de sécurité. Nous l'avons pu voir cet été, notamment avec les incendies dans les Landes. En s'attaquant à un phénomène grave, ce texte est donc un texte éclairé et fondamental. Avec 10 articles, cette proposition de loi est en effet le fruit de discussions bienveillantes et fertiles qui ont permis d'enrichir le texte et d'aller plus loin dans le périmètre de l'action de la loi, afin d'engager une application plus large et rapide de la loi sur nos territoires. Désormais, et devons-nous en féliciter, ce sont l'ensemble des zones naturelles et forestières qui sont identifiées dans les plans locaux d'urbanisme et non plus seules les trames vertes qui seront concernées par le périmètre d'application de la loi. Par ailleurs, nos discussions ont permis non seulement de cibler les clôtures édifiées depuis 30 ans, non plus seulement celles ultérieures à 2005 comme c'était initialement prévu, mais elles ont également permis d'avancer le délai de mise en conformité des clôtures installées au 1er janvier 2027 et non plus sous 7 ans. Débattu et enrichi de manière collaborative et transpartisane, cette proposition de loi incarne ainsi un équilibre fécond entre droit de propriété et respect de notre biodiversité et des biens communs. C'est dans cette logique que ce texte prévoit non seulement la possibilité pour les agents de l'Office français de la biodiversité de pouvoir contrôler les enclos, mais également de protéger les propriétaires en créant une contravention de quatrième classe. Dans la continuité de nos actions en faveur de la protection et de notre biodiversité, la suppression d'enclos devra veiller au respect des équilibres écologiques et des activités agricoles. Enfin, la disposition de l'article 5 relative à l'interdiction de l'agrainage et de l'affouragement, modifiée par le Sénat, traduit également l'engagement de nos collègues sénateurs de la protection de notre biodiversité et du droit de propriété. En conclusion, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que cette loi ne contrevient en aucune manière au droit de chasse. La chasse est essentielle sur notre territoire, notamment dans la régulation des gibiers, qui aujourd'hui, bien souvent, empêche la régénération de nos forêts. Excusez-moi. Comme l'a rappelé M. le rapporteur, les chasseurs sont eux-mêmes favorables à cette loi. Ce texte répond avant tout aux préoccupations de nos concitoyens, concitoyennes, associations, élus locaux. Il protège et respecte le droit de propriété et surtout constitue une avancée majeure pour la protection de notre biodiversité. Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 111, exprimés 100. Majorité 51 pour 98, contre 2. L'Assemblée nationale a adopté. Vous voulez dire un mot ? Oui, monsieur le rapporteur. Vous aussi, madame.
Je voulais simplement remercier tous les députés qui ont voté pour ce texte, sauf deux, et remercier également, évidemment, le Parti Socialiste qui n'a pas cédé à la politique politicienne, car les animaux sauvages ne font pas de politique, et je regrette que la NUPES, par Mme Bellucot et Meunier, c'est-à-dire, finalement, ne vote pas pour la libre circulation des animaux sauvages. Il faut préférer la liberté de la pensée à la politique politicienne en pensant à nos animaux. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Moi, je tenais évidemment à remercier l'ensemble des députés qui ont apporté un grand oui à cette proposition de loi. Je rappelle encore, et croyez bien, que je vais être extrêmement vigilante au déploiement de cette loi, et surtout pour limiter les contentieux qui risquent d'arriver en suivant. Vous avez raison d'être fier, monsieur le député Cormier-Bouligeon. Je vous remercie pour votre investissement qui a été extrêmement précieux aussi pour l'aboutissement de ce texte. Encore merci. Et je regrette, tout comme monsieur le rapporteur, la position du groupe Les Écologistes et la France Insoumise qui nous ont montré encore une fois leur visage, le visage de l'opposition systématique, sachant que vous avez vous-même voté à toutes les étapes le texte et pour juste porter une opposition, vous avez décidé de vous abstenir sur ce texte. En effet, je pense que les animaux sauvages et leur liberté méritaient mieux que ça aujourd'hui. Je vous remercie. Prochaine séance, mardi 31 janvier à 15h, avec l'allocution de M. Stéphane Chouk, président de la Rada d'Ukraine. Question au gouvernement, lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et enfin, proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier. La séance est levée.